Parfait. Bonjour, bonjour à tous. Alors, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue au nom du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et du Fonds de recherche du Québec Société et Culture, partenaire dans cette action concertée. C'est un réel plaisir de vous accueillir en grand nombre à l'occasion de cette activité de transfert de connaissances où l'on aborde aujourd'hui les thèmes de l'écriture et de la lecture. Autant de personnes, donc en web diffusion, ainsi que présentes aujourd'hui à Québec, est une indication claire que le sujet d'aujourd'hui et les résultats des projets de recherche présentés vous interpellent et répondent à un besoin. Alors, je me présente d'abord, je suis Geneviève Godbout, responsable de programme au Fonds Société et Culture, en charge de l'animation de l'activité aujourd'hui. Je suis accompagnée à distance de ma collègue Gabriella Birsan, qui est à Montréal, technicienne aux communications et principale organisatrice de cette journée. Vous avez d'ailleurs déjà reçu des communications de sa part. Elle vous sollicitera à la suite de notre activité afin de répondre à un bref sondage. J'en profite donc pour la remercier pour son soutien. Le Fonds tient à remercier également le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qui, depuis déjà 2009, est associé dans le développement d'actions concertées portant sur la thématique de l'écriture et la lecture. Enfin, nos remerciements vont à l'endroit de Mme Caroline Bégin, qui est présente aujourd'hui, qui est responsable du programme de recherche sur l'écriture et la lecture au ministère, et pour son soutien tout au long du processus allant de l'élaboration de l'appel de proposition à l'organisation de cette journée. Enfin, pour la période de questions à la fin de la présentation, Mme Jeté agira à titre de modératrice et prendra les questions des personnes qui sont en web diffusion, questions qu'elle prend en temps réel. Alors, un mot donc sur le programme des actions concertées au Fonds Société et Culture. Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec la mission de notre organisme, celle-ci est notamment de promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres. Le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants et chercheuses et chercheurs du Québec. Donc, en se tournant vers les fonds de recherche, nos partenaires, tels que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, s'assure de la rigueur et de l'impartialité du processus d'attribution des subventions, de même que de la qualité scientifique des projets financés. Or, dans le cadre du programme Action concertée, nous partons des besoins des partenaires, utilisateurs des résultats, ce qui permet de produire des recherches directement en lien avec les besoins du milieu ou des milieux concernés. Enfin, les partenaires s'inscrivant dans le programme des actions concertées adhère à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financiers. Donc, c'est à la suite du lancement d'un appel de proposition en 2014 sur la thématique de lecture et de la lecture et l'écriture et d'un processus d'évaluation rigoureux que les chercheuses et chercheurs, leur équipe respective, qui présentent aujourd'hui, ont été choisis pour mener à bien les projets soumis. Avant la première présentation, permettez-moi de prendre quelques secondes de plus pour préciser quelques éléments de nature technique. En fait, les chercheuses et le chercheur qui est présent ce matin donc disposent de 30 minutes chacun pour vous présenter leur projet, leurs principaux résultats, ainsi que la lecture de ce que signifient ces résultats pour les différents acteurs interpellés. Une période de questions d'environ 10 à 15 minutes suivra. L'utilisation donc de la web diffusion, je mentionnais, dans le contexte de cette activité, permet aux personnes qui sont branchées à distance de nous envoyer des commentaires, des questions en temps réel afin que nous puissions les relayer aux chercheuses et chercheurs à la période de questions. Donc, je vous invite à garder en tête, ici à Québec également et en web diffusion, tout au long de la présentation, les résultats que vous interpellent et qui correspondent aux besoins de votre milieu ou qui ont une résonance dans vos pratiques. Donc, Mme Jeté sera la modératrice et se fera votre porte-voix. Alors, les rapports finaux, un dernier mot sur les rapports finaux des présentations d'aujourd'hui sont disponibles sur le site du Fonds.
Et donc, à partir de ce moment, il vous appartient de les diffuser dans vos camps respectifs pour valoriser ces résultats, les utiliser, enfin, vous les approprier. Alors, je vous invite tous à mettre vos objets nomades en mode vibration. Et je souhaite commencer en vous présentant donc Madame Virginie Martel, qui est ici ce matin, donc qui est à l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis, qui présentera donc, qui vient partager les découvertes et présenter les facteurs ayant facilité l'appropriation de l'apprentissage par la lecture, en contexte de littératie médiatique multimodale, en classe de français inclusive. Donc, conséquemment, fournir certaines réponses ou pistes d'action qui pourraient influencer vos pratiques et vos réflexions. Madame Martel, bonjour. Bonjour, merci. Est-ce que le micro est fonctionnel, monsieur le technicien? Parfait. Donc, bonjour, bienvenue à tous. En fait, je suis heureuse aujourd'hui d'être ici pour présenter le projet SLAM, qui veut dire, c'est un acronyme qui interpelle en fait l'objet de notre recherche, soit le soutien à la lecture et à l'apprentissage multimodal à l'école. Donc, dès d'entrée de jeu, au tout début, notre projet avait tellement un long nom. C'est comme, OK, là, il faut trouver quelque chose pour référer à notre projet. Alors, c'est devenu le projet SLAM. Donc, aujourd'hui, je représente l'équipe, mais surtout, je représente la responsable du projet, Sylvie Cartier, qui est à l'étranger là, pour une longue période, mais qui a préparé, donc, aujourd'hui, la présentation que je m'apprête à vous faire. Donc, peut-être pour mettre un peu en contexte, vous dire que le projet de SLAM a permis de faire participer et d'interpeller plus de 334 personnes qui ont travaillé avec nous au cours des 3 années du projet. De ces personnes, on compte 7 directions d'école et ou de commission scolaire, 3 conseillers pédagogiques, 214 élèves qui ont participé avec nous aux activités. Plusieurs enseignants, mais dont 8, dont on va suivre le parcours un peu plus aujourd'hui, que ce sont nos 8 qui nous ont suivis sur les 3 années et qui ont surtout élaboré les fameuses situations d'apprentissage par la lecture que nous avons créées. Il y avait bien entendu 6 assistants de recherche avec qui on n'aurait pas pu digérer tout la masse de données accumulées et 4 chercheurs, donc, que je représente aujourd'hui, donc Madame Cartier, que je vous ai évoqué déjà, Jean-François Boutin, spécialiste en littératie médiatique multimodale, Jean Bélanger de l'UQAM, spécialisé au niveau du transfert beaucoup et du développement professionnel. Et puis Madame Cartier, bien sûr, qui est derrière le modèle APL et les recherches en apprentissage par la lecture au Québec, et moi-même, Virginie Martel, donc spécialisée davantage au niveau de la littératie critique et de la lecture. Alors, voilà. Alors, on amorce les choses ensemble aujourd'hui. En fait, peut-être un peu vous mettre plus en contexte, vous dire que notre projet visait en fait à améliorer les compétences en lecture des élèves du primaire et du secondaire en classe de français spécifiquement au moyen d'une approche de développement professionnel qui était adaptée en collaboration milieu-chercheur. Dans le cadre d'une recherche-action, c'est ce qu'on fait, je pense, toutes les équipes au niveau de la recherche-action, puisque le fonds FQRSC va dans ce sens-là. Ce que l'on a étudié, nous, plus spécifiquement, c'est l'apprentissage par la lecture, que j'appellerai APL à partir de ce moment-ci. Donc, ensuite, en contexte de littératie médiatique multimodale, donc la fameuse littératie davantage contemporaine, en fait, c'est cette idée de lire et écrire dans un contexte où on mobilise de plus en plus tous les modes de communication, celui du texte que l'école connaît bien, mais celui de l'image aussi, celui du son et souvent la combinaison de ces différents modes et où on peut recourir aussi, c'est pas nécessairement cette littératie-là qui nous intéressait, mais c'est souvent, elle est souvent associée aussi au recours aux nouvelles technologies. Donc, lire sur écran, lire sur Internet, lire avec les nouveaux outils qui sont ceux des écoles d'aujourd'hui. Et tout ça dans un contexte d'inclusion scolaire, donc dans la perspective où des élèves avec des difficultés importantes parfois sont intégrés dans les classes, sont avec nous et les enseignants doivent travailler avec ces élèves-là et prendre en compte leurs différences, leurs besoins. Donc, notre projet nous a permis, et c'est un peu de ce dont il va être question aujourd'hui, de produire 3 types de connaissances, je vous dirais. Une première type de connaissance qui est en lien avec notre objectif 1 sur les pratiques des enseignants qui ont collaboré. Donc, c'était quoi leurs pratiques? Ils en sont venus à quel type de pratiques? Les relations entre ces pratiques et l'apprentissage
en lecture des élèves avec qui on a travaillé et finalement les conditions qui ont favorisé ou entravé l'appropriation de nouvelles pratiques, celles donc les pratiques favorables visées. De façon générale, je vous dirais que l'analyse minutieuse de tous les facteurs nous a montré en fait qu'il est faisable et pertinent de recourir à l'APL en classe de LNM, en classe de français. Parce qu'il faut vous dire peut-être, là, pour vous remettre là, la situation, là, je sors un peu du PowerPoint, mais l'apprentissage par la lecture était depuis des années avec Sylvie. Personnellement, j'ai beaucoup collaboré à des projets dans toutes les autres disciplines. Donc, lire pour apprendre en histoire, lire pour apprendre en sciences, en éthique et culture des religions. Et il y avait vraiment un obstacle qu'on rencontrait avec les enseignants de français qui disaient « ça ne nous concerne pas, on n'a pas à lire pour apprendre en classe de français, nous ». On fait lire, on va faire lire un texte sur lequel on apprend sur le premier voyage de Julie Payette. Mais je n'apprends pas sur les savoirs en français. Je ne veux pas faire lire pour apprendre en français. Et on avait tout le défi de travailler avec des classes et des profs de français pour leur montrer qu'on peut travailler la lecture pour apprendre qui va aider à toutes les disciplines, mais aussi pour le contenu même du programme de français. Donc, vous verrez nos situations. C'est lire pour apprendre sur le verbe, lire pour apprendre sur les techniques de communication orale, lire pour apprendre sur le texte justificatif, lire pour apprendre sur le texte dramatique. Donc, on a fait comme ça différentes situations en lien directement avec donc les contenus de formation. Alors, ça vous rappelle un but d'étude. Donc, aujourd'hui, la présentation, ben, je vais... bien entendu, un peu vous remettre en contexte de la démarche que l'on a utilisée, les pratiques d'enseignement qu'on a finalement réussi à mettre à jour et les conditions qui favorisent l'appropriation. Puis je vais terminer avec les nombreux outils qu'on a rendus disponibles et qui sont maintenant accessibles pour que vous puissiez vous lancer aussi ou lancer vos équipes écoles selon qui vous êtes dans l'apprentissage par la lecture. Et bien sûr, mais les constats aujourd'hui que l'on fait s'adressent tout autant aux décideurs, aux gestionnaires, aux conseillers pédagogiques avec qui on a travaillé aussi, aux enseignants et aux chercheurs, dans la perspective où ils sont issus justement d'une collaboration de tous ces partenaires. Les premières rencontres, on était plus d'une quarantaine autour de la table avec des bibliothécaires, des techniciens au niveau des ressources éducatives, les CP, les enseignants. Il y avait vraiment beaucoup de monde autour de la table. Donc, et nos constats, bien sûr qu'on considère qu'ils sont importants, sinon on n'aurait pas travaillé autant, mais pour nous, ils sont importants parce qu'ils permettent surtout d'éclairer les pratiques d'enseignement actuelles et recherchées pour lire, pour apprendre, car dans un contexte où le savoir évolue beaucoup, il est vraiment important que nos élèves apprennent à lire pour apprendre de manière autonome, lire pour acquérir de nouvelles connaissances. Toujours dans un contexte de LMM et d'inclusion qui est de plus en plus important aujourd'hui et qui nous permet, on le verra tout à l'heure, mais on va même loin en proposant peut-être des réaménagements ou des bonifications des plans et des programmes de formation, particulièrement ceux qui touchent le français, parce que pour nous, il y a là une emprise importante. Donc, voilà pour la situation de base. Donc, maintenant, peut-être un peu pour rappel, donc je vous exposais qu'on avait 8 enseignants avec nous. On a effectivement, au bout du parcours, dans les 3 années, réalisé 8 études de cas sur 8 thématiques différentes en français qui sont des situations d'apprentissage par la lecture. Pour aboutir à ces 8 situations d'APL, nous avons procédé toujours un peu par une démarche d'intervention en 3 temps, qui est une démarche que Mme Cartier avait élaborée depuis plusieurs années en travaillant auprès de plusieurs équipes écoles et de plusieurs intervenants, donc qui consiste essentiellement à d'abord analyser l'APL en classe, donc l'apprentissage par la lecture des élèves, ce que l'enseignant fait déjà, ce que les enfants font déjà, planifier ensuite de réelles situations d'apprentissage par la lecture et c'est important, là, vous pourrez aller lire sur le sujet, mais faire lire un texte puis répondre à des questions, ce n'est pas nécessairement apprendre par la lecture. C'est comprendre le texte éventuellement, faire des compétences d'habileté, de repérage, etc. Mais apprendre par la lecture, c'est véritablement acquérir une nouvelle connaissance grâce à sa lecture et donc modifier sa structure cognitive interne. Là, je pensais ça et maintenant je dois en conclure que je pensais mal et j'ai donc appris
telle chose. Alors cette phase-là de mettre en place de réelles situations d'apprentissage par la lecture est très importante. Et par la suite, planifier le soutien aussi parce que les élèves ont besoin d'être soutenus. Ce n'est pas vrai qu'ils savent automatiquement et de manière innée apprendre par la lecture. Donc, ils ont besoin d'être soutenus de notre part. Donc, si on regarde un peu ce schéma-là revient sur certaines diapositives pour vous dire qu'au tout début, donc on est dans la phase du début, on est dans l'activité 1, on tente de créer avec les enseignants pour une première fois une première situation d'apprentissage par la lecture. Comme je vous ai dit, on part de rien. C'est pas vrai parce qu'ils ont toutes leurs pratiques et leurs compétences et leur expertise, mais pour eux, ils n'ont jamais fait d'APL. Comme ils sont en français, il y en a pas fait, il y en a pas fait. Alors, on ne peut pas partir de leur expertise à partir de là, mais et ils choisissent justement de travailler en équipe parce qu'ils sont très peu confiants au tout début. Donc, c'est « Oh, on va travailler en équipe, puis si on peut, on va travailler avec un CP qui va nous aider. » Puis, j'espère que vous allez être là, les chercheurs, parce qu'on est très inquiets de ce dans quoi vous nous lancez. Donc, ça, c'est notre début lorsque l'on commence. Ensuite, quand on va à la deuxième phase, un petit peu où on se met à analyser, là, l'analyse de la première situation d'APL va se faire beaucoup à partir des connaissances de la recherche. La présence des chercheurs au début va être très forte pour leur expliquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on sait, quels sont les outils déjà disponibles, etc. On va regarder le programme de français aussi pour aller voir les savoirs qui seraient justement possibles de travailler par l'APL et aller voir aussi les ressources disponibles parce que parfois c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'il faut les trouver, les fameux textes qui vont parler et qui vont être adaptés aux élèves et qui vont parler des savoirs que les enseignants vont vouloir cibler. Et là, je mets le mot texte et je devrais dire multitexte dans ce cas-ci, puisque pour nous, apprendre par la lecture peut tout aussi bien être lire un texte conventionnel, lire un texte avec des images aussi et même lire, entre guillemets, un extrait, par exemple, vidéo. Donc, apprendre à générer de cet extrait vidéo-là de nouvelles connaissances parce que j'ai décodé, j'ai compris, j'ai interprété ce que l'extrait vidéo me présentait. Donc, là, c'était cette première phase d'analyse que l'on a fait. Ensuite, ben, on s'est lancé. On s'est lancé dans une première donc situation. Ils étaient très inquiets. Ils sont partis avec dans la classe et pour les aider, on leur a offert un outil qui existe déjà et qui est disponible en ligne, je vous le montrerai tantôt, qui est le QAPL, donc le questionnaire sur l'apprentissage par la lecture qui existe, qu'on peut faire passer à nos élèves, qui est adapté pour le primaire et ou le secondaire et qui permet aux enseignants d'avoir un portrait de ce que l'élève perçoit comme étant l'apprentissage par la lecture, comment il se sent devant ça, quels sont ses sentiments, son sentiment de compétence. Alors, ça les a aidés à connaître leur élève. Ils ont été parfois surpris de voir, « Oh mon Dieu, ils pensent tous qu'ils vont devoir mémoriser l'ensemble du texte, c'est pourtant pas ça que je veux qu'ils fassent. » Ou « Oh mon Dieu, ils sont pas du tout motivés face à une situation comme ça, ou au contraire, ils le sont beaucoup. » Donc, ils ont vraiment, ça leur a permis d'ajuster leur tâche parce qu'on a analysé avec eux les résultats que leurs élèves avaient reçus. Et le site de l'apprentissage par la lecture que je vous montrerai tout à l'heure offre tous les outils pour faire une analyse autonome en classe soi-même de ces résultats du QAPL. Et bien sûr, une fois l'activité réalisée, bien là, on fait l'ajustement. Dans le cadre de la recherche, on a pu revenir, discuter, qu'est-ce qui avait fonctionné, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné. On avait des extraits vidéo, des photographies, ce que les élèves avaient produit comme activité. Donc, on avait vraiment une belle matière à réflexion. Et d'entrée de jeu, ce qui nous a beaucoup surpris et ce qui a montré finalement l'intérêt de la recherche, c'est que nous, on avait demandé à la base l'implication des enseignants, des CP, des directions, c'était de faire une situation d'APL. C'est ce qu'on leur demandait. Et tout de suite après la première situation, ils ont tout de suite dit « S'il vous plaît, permettez-nous d'en faire une deuxième » sur un autre sujet pour s'améliorer, bonifier, être meilleur. Alors là, on s'est dit, OK, ils veulent, là, ils voient une résonance de ce qu'on leur propose et surtout, ils ont envie d'aller plus loin. Donc, on est donc parti dans cette deuxième situation d'APL et là, le processus recommençait. On analyse, on planifie, on met en œuvre, mais là, l'analyse du départ, bien là, on avait
C'est plus vrai qu'on n'avait plus de pratique d'APL, on en avait une, on pouvait s'en inspirer, on pouvait aller plus loin grâce à cette pratique-là, on pouvait aussi revenir sur les résultats de recherche aux besoins et aussi utiliser le QAPL hein, qu'on avait fait passer aux élèves. Là, on pouvait vraiment dire, hey, là, je me souviens que mes élèves étaient de telle manière, je vais faire attention à ça. Par exemple, les interprétations des exigences de la tâche d'APL, ils ont été nombreux à dire ça, il faut vraiment que je prenne le temps au début de leur faire comprendre. Qu'est-ce qu'apprendre par la lecture? Que ce n'est pas juste comprendre, que ce n'est pas que mémoriser. Donc là, cette phase d'analyse-là a été très intéressante. Pour plusieurs, ils ont décidé de refaire passer le QAPL pour voir s'il y avait eu évolution. Donc, est-ce que maintenant qu'on a vécu une situation, on en vit une autre au courant de l'année scolaire? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que tu te sens maintenant plus confiant? On a vu effectivement un sentiment de compétence plus fort de la part des élèves à force d'en faire. Fait qu'on pourrait espérer que si on le faisait plusieurs fois et depuis, dès le début de la scolarité, qu'on leur donnerait ce sentiment de compétence-là. Et bien sûr, à la toute fin, on a fait un retour. Et là, l'ajustement, la suite des choses, bien, c'est d'espérer un transfert et qu'ils sont en train de continuer sans nous. C'était l'idée aussi de former des CP, d'impliquer les directions scolaires pour que le projet perdure malgré que les chercheurs se soient maintenant retirés. Donc, on voulait former le plus grand nombre possible. Et on sait qu'on a des écoles qui sont vraiment, ils s'appellent les écoles APL. Pour elles, ils se désignent comme des écoles APL parce qu'ils ont vraiment ce souci-là de faire l'apprentissage par la lecture et de revenir dans chaque discipline. Il y a des stratégies qui ont été mises de l'avant. Ils reviennent sur ces stratégies-là, sur cette manière de faire. Donc, ça, c'était des beaux résultats pour nous. Donc, par rapport au constat pour cette démarche-là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que bien sûr, c'est que ça a représenté des défis. Hein, ça a l'air beau, la manière dont je vous présente ça, mais il y a eu assurément des défis. D'abord, il y a le défi de s'approprier la démarche qui est fondée, qu'on leur proposait, d'accepter aussi qu'on allait être en recherche collaborative, co-création, qu'on n'arrivait pas avec du tout cuit et qu'ils devaient l'appliquer. Ça, au début, on a même perdu des enseignants qui venaient chercher du tout produit. Ah, il faut produire? Oui, mais on va vous aider, on va co-construire. Il y en a qu'on a perdu pour ça. Donc, il y a ce travail-là. Très fort travail aussi, un gros obstacle au niveau du travail sur les représentations des enseignants à l'égard de qu'est-ce que la lecture et de qu'est-ce qu'un enseignant français. Donc, ça m'appartient pas, ça, de faire ça, l'APL. Ça l'appartient aux autres. C'est dans les autres matières qu'on a à lire pour apprendre. Moi, j'ai un programme à couvrir. Alors, c'était toujours de les ramener, ça. Mais non, mais vous avez justement un programme à couvrir. Il y a sûrement des éléments qui peuvent passer par la lecture, etc. Donc, et puis, ça a été aussi de chaudes luttes sur la compréhension de ce qui distingue la compréhension lecture de l'apprentissage par la lecture. C'est intéressant par contre, ce travail-là qu'on a fait. Donc, mais il demeure que la formule pour nous est éprouvée, elle a marché, les gens se sont engagés, ceux qui sont restés jusqu'au bout ont été vraiment très engagés. On est même allé à l'ACFAS avec la moitié d'une classe participante, les élèves étaient là pour présenter leur projet, fiers comme des pans d'avoir appris par eux-mêmes sur le texte justificatif, d'être capable maintenant de l'expliquer. Alors, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Et puis, pour nous aussi, ça nous permet de voir toute l'importance de valoriser aussi la collaboration, pas seulement avec les enseignants, pas seulement avec les conseillers pédagogiques, mais je vais plus loin, j'avance un peu ce que je vais dire plus loin, mais la présence des directions d'école parfois a fait la différence. Et parfois, il y a des directions d'école qui venaient et qui nous disaient, je suis venue, là, j'avais plein de dossiers à traiter, mais je voulais au moins être présent physiquement parce que pour mon équipe, de voir que je suis là autour de la table, ils se sentent appuyés, ils savent que quand on va revenir en classe, quand on va revenir à l'école, je vais faire le suivi, je vais savoir de ce dont il a été question. Alors ça, vraiment, cette idée de partenariat là, très, très inclusif où tout le monde était le bienvenu, ça a été vraiment quelque chose de très bénéfique. Parallèlement, si je parle plutôt des pratiques des enseignants et de la relation avec l'APL des élèves, bien entendu, comme toute recherche, on s'est appuyé sur des connaissances théoriques, notamment sur le modèle de l'apprentissage autorégulé dans des activités complexes, élaboré par Sylvie Cartier et puis Madame Butler, entre autres, donc avec cette idée-là de l'exemple de l'apprentissage par la lecture. Donc, ce modèle-là montre comment l'apprentissage par la lecture, et ça aussi au début, ça a été complexe à faire comprendre aux enseignants, ce n'est pas que des stratégies.
Ce n'est pas que juste d'apprendre à faire des organisateurs graphiques et à sortir l'idée principale et à résumer l'information. C'est beaucoup plus large. C'est un large processus qui convoque des situations particulières, qui interpelle des facteurs, qui va beaucoup plus loin que la compréhension en lecture, comme je vous l'ai dit, dans la démarche qui est proposée, qui nécessite de l'élève qui prenne position sur ses apprentissages. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait assez? Qu'est-ce que je devrais faire plus tard? Qui nécessite que l'enseignant s'engage aussi dans cette démarche d'autorégulation. As-tu vraiment compris ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu penses que tu dois mettre en œuvre pour réaliser l'activité? Ce travail-là de rétroaction, d'autorégulation a été quelque chose de très fort aussi dans le processus et de très, très nouveau. Oui, je vais le dire comme ça, même si tous les enseignants en avaient déjà entendu parler, c'était pour eux nouveau que de dire « là, je dois travailler dans cette perspective-là. Je dois être là en soutien, je dois diversifier, notamment pour mes élèves en inclusion, hein, les aider, accompagner, différencier ma démarche en fonction de l'ensemble de ce modèle-là. » Donc, pour le domaine du français proprement dit, les résultats nous ont démontré, hein, je vous disais au début un peu les obstacles puis comment qu'ils étaient récalcitrants à s'engager, bien, ils ont finalement réussi à créer des situations d'apprentissage dans lesquelles au moins deux des trois compétences langagières du domaine du français sont convoquées, dans lesquelles ils ont des savoirs inscrits dans le programme du français. Et ce qui nous a permis de conclure que vraiment l'APL peut constituer un levier tangible pour l'expérimentation d'une approche intégrée de la langue. Où là, vraiment, la classe de français, l'apprentissage en lecture est utile pour la classe de français, mais bien sûr, elle pourra être transférée aux autres domaines et les enseignants des autres domaines ne seront que ravis qu'ils aient été ainsi préparés à lire pour apprendre pour différents sujets. Au tout début, donc pour l'étape 1, dès la première situation, on a eu à analyser les différentes situations, puis on a été quand même heureux de constater qu'ils avaient réussi dès le début à modifier leur pratique habituelle. Hein, par exemple, un des constats, ça a été beaucoup faire de l'apprentissage par la lecture, c'est beaucoup de travail en amont, mais mon Dieu que c'est relaxant une fois que je suis dans la classe. Parce que tout d'un coup, c'est plus l'enseignant qui transmet ce savoir. Le savoir se construit par la lecture et l'enseignant est le médiateur qui circule, qui pose des questions, qui propose des ajustements. Et donc, j'avais deux enseignantes auxquelles je parle et qui me disent « j'ai vraiment mis de côté mon approche, c'est moi qui fais le show hein, ». Parce que là, ce n'était plus moi qui fais le show, c'était les textes que les équipes avaient choisi pour travailler, et c'était surtout les élèves engagés, impliqués. Et chez les plus petits, surtout pour le primaire, au tout début, la première situation, les enfants, ils ont pas travaillé les textes, ils attendaient. Et il a fallu qu'Isabelle, notre enseignante, leur répète à plusieurs reprises, « mais je ne la donnerai pas l'information là. » Non, mais on attend parce que tu nous le dis toujours d'habitude, tu enseignes toujours après. Non, mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est vraiment toi qui vas construire, puis ensuite, et là, ils ont compris que, OK, il faut se mettre à la tâche, oui, il faut se mettre à la tâche. Donc, là aussi, chez les élèves, il y a aussi un positionnement qui est à changer, là. L'élève doit changer son positionnement, je ne suis plus en réception, je suis vraiment ici en production de savoir. Donc, là, ça, c'était intéressant aussi. Et puis, il est intéressant aussi de voir comment ils ont réussi à appliquer pour Jean-François et moi, qui étaient plus soucieux de ce volet-là, sur la littératie médiatique multimodale, comment que très vite ils ont pris en compte le fait de recourir à plusieurs médias contemporains pour justement diversifier les approches, engager les élèves davantage. Donc, pour nous, l'étape qui reste à franchir, c'est d'accompagner les élèves là-dedans. Parce que là, ils ont mis entre les mains des élèves des médias contemporains, diversifiés du texte, de l'image, du son, mais très peu d'enseignants se sont souciés de se demander si les élèves comprenaient réellement ces images-là qu'on leur avait données, comprenaient l'extrait vidéo. Alors, pour nous, là, pour nous, équipe LNM, il y a un travail encore de soutien à peaufiner, mais quand même, ça va vraiment bien aussi. Et puis, comme dans la deuxième situation, là, ils ont dit, ah, là, on s'engage encore davantage. Là, on a vu une nette amélioration aussi au niveau du soutien à l'APL. Parce que la première, c'est comme, il y a déjà, je fais une tâche APL, mande-moi-en pas trop. Mais là, tout d'un coup, la deuxième, c'est comme, je me suis rendu compte que si je ne soutiens pas les élèves, si je ne reviens pas sur les stratégies, si je ne me délaisse pas certaines dimensions,
Certaines sont vraiment perdues. Alors, c'est important que je les soutienne. La perspective d'autorégulation a pris beaucoup plus de place, etc. Et l'interprétation de la tâche, comme je vous le disais. Pour nous, l'étape qui reste à franchir, et on arrive d'un congrès à Lausanne là-dessus, c'est au niveau de l'évaluation. Il y a une problématique pour les enseignantes à faire arrimer les textes qu'ils ont fait lire, les objets sur lesquels ils ont travaillé et l'évaluation qu'ils vont proposer à la toute fin, qui trop souvent ne portait pas sur l'objet des textes lus. Donc, on a lu sur les étapes du texte justificatif. On va leur demander de faire une bande dessinée dans laquelle, je pense à une équipe, dans laquelle les étapes du texte justificatif vont être présentées. Mais mes critères de correction, ça va être la beauté de la bande dessinée. Est-ce que tu as bien écrit tes mots, tes verbes, etc.? Puis, je regarderai même pas si finalement le texte justificatif et ses composantes sont présentées. La dernière rencontre et qui est à poursuivre, là, les conseillers pédagogiques nous ont dit qu'ils se lançaient davantage dans cette perspective-là. Et bien sûr, l'évaluation dans ce cas-ci, juste dans les sujets des 8 situations, vous verrez tout le souci qu'ils ont aussi avec les textes justificatifs, là. C'est le fameux examen. Ils sont en lien avec les examens. Secondaire 5, texte argumentatif, parce que c'est le texte attendu. Donc, on voyait toujours leur souci de « je veux bien faire de l'APL sur du savoir français, mais je veux au moins le faire sur des objets qui vont me servir pour les évaluations sommatives obligatoires. » Mais c'était correct, pourquoi pas? Hein? C'est astucieux de leur part. Donc, c'était quand même très intéressant à cet égard-là. Donc, vraiment, on a pu, grâce à la recherche, développer une expertise pour l'enseignement. On a développé des connaissances scientifiques sur différents éléments. Et nos principales recommandations pour nous, à cet égard-là, là, c'est que pour nous, il y a des bonifications possibles au niveau des politiques, des plans, des référentiels, des programmes, des cadres d'évaluation actuels en français. Pour nous, l'APL n'est pas assez présente et la LMM n'est pas assez présente. Il y a vraiment un travail à faire dans les prochaines années pour que ce soit intégré, pour que ce soit accentué, parce que là, il faut l'inférer, cette présence-là. Tu sais, on la devine, mais elle n'est pas là. Alors, l'enseignant qui fera pas le travail de l'inférer, va dire « c'est pas là, on a eu beaucoup à lutter, comme c'est pas là ce que vous nous dites, mais oui, c'est là, lisez entre les lignes ». On aimerait qu'un jour ça soit pas « lisez entre les lignes », c'est « lisez », c'est ça la compétence, ou bon, ça va dans ce sens-là. On est même allé dans notre rapport jusqu'à aller à dire « ben éventuellement, il y aurait tout le statut des compétences langagières qui serait à réfléchir de nouveau ». C'est, par exemple, l'apprentissage par la lecture, le fait de lire, écrire, est-ce que ça appartient à la classe de français spécifiquement ou c'est pas à l'ensemble des disciplines, à l'ensemble de la scolarité? C'est une compétence qui est transversale et que si on la donne juste aux profs de français, la tâche est lourde. Si les tâches de français ne l'apprennent pas, c'est les autres qui disent. Il y a un travail pour nous, là. Il y a une grande réflexion. On pourrait passer une journée là-dessus, je pense, sur la place des compétences langagières dans nos programmes de formation. Pour les conditions qui favorisent l'appropriation des pratiques, j'en ai déjà glissé un mot, mais quand même, vous dire l'importance, en fait, on a vu 5 aspects vraiment plus importants. D'abord, l'importance de prendre le temps de confronter et de modifier les croyances et les attitudes de départ des participants. Hein, ils partent avec ce qu'ils sont, il faut partir de ce qu'ils sont, mais il faut les faire progresser. Le leadership, qui arrive en cours d'intervention. Parfois, c'est la direction d'école, mais parfois, c'est un enseignant qui devient vraiment, tu sais, celui qui tire les autres. Il faut l'utiliser, ce leadership-là naturel qui arrive dans une équipe. Les ressources, bien sûr, humaines et matérielles mises à leur disposition. Plus on offre de facilitants pour changer ses pratiques, plus un enseignant est prêt à les changer. S'il n'a pas ces ressources-là, c'est difficile. Les caractéristiques aussi de l'intervention qu'on va faire et les compétences d'intermédiation disponibles. Quand on a une bonne personne pour dire la bonne chose au bon moment, c'est toujours fort aidant. Nous, on avait Jean Bélanger avec nous qui est un maître du « Ah, je vais récupérer ça! » Et ça donnait une situation qui devenait un peu trop chaude. Reprenait sa température normale grâce à une intervention de Jean. Si c'est moi qui étais intervenue, on serait peut-être resté dans la soupe chaude. Alors, c'est là, tu sais, que des fois, que la bonne personne qui sait dire la bonne chose, c'est vraiment très aidant. Donc, bien sûr, nos recommandations par rapport aux conditions qui favorisent l'appropriation de tels programmes, l'importance de l'animation
initiale d'un groupe, la présence des directions d'école, comme je vous l'ai dit, aussi la protection d'un temps de réflexion de qualité. C'est sûr qu'une subvention comme le FRQSC permet, par exemple, qu'on a dégagé les enseignants sur des dizaines de périodes où, comme ça, comme aujourd'hui, ils sont autour de nous, sortis de leur milieu pour réfléchir à leur pratique. C'est assurément gagnant, vous le devinez, parce que le temps manque dans les écoles. Donc, la libération du personnel, l'accompagnement aussi, par contre, par les CP notamment, du retour à l'école, parce que autour d'une table, on est motivé à tout. Mais quand on revient dans notre milieu, si on est isolé dans ce milieu-là et qu'on ne se sent pas soutenu, les bonnes idées vont retomber au plancher et on va juste faire « bon ben, c'était le fun, mais non ». Alors, et puis ensuite, le partage, la reconnaissance des expertises réciproques. Par exemple, dès le départ, nous, on a créé dans Google Drive un panier collectif qu'on a appelé où tout le monde a mis tout ce qu'il avait fait de super. Hein, pour déjà d'entrée de jeu, bien, vous avez sûrement fait des choses en classe de français formidables. Qu'est-ce que vous avez fait? On les a tous mis, on est souvent parti de là pour les bonifier, voir comment on pourrait améliorer les choses. Ça a été vraiment… Et puis bon, bien, d'avoir les élèves avec nous qui parlaient, d'inviter les enseignants à faire des présentations avec nous. Ils se sont sentis reconnus dans leur rôle de co-chercheur. Ça a été aussi assurément gagnant. Donc, il me reste peu de temps, mais je veux vous parler des outils de diffusion et de transfert qui sont nombreux. En fait, le socle de base de diffusion de ces outils-là, c'est notre site. Je me l'approprie tout à fait alors que c'est le site de Sylvie. Donc, c'est le site de Sylvie Cartier sur l'apprentissage par la lecture qui a été bonifié, notamment suite à la réalisation du projet SLAM. Dans ce site-là, on trouve des informations destiné à la fois aux directions d'école, aux conseillers pédagogiques, aux enseignants et aux élèves. Donc, il y a des outils pour tous ces intervenants-là. On y trouve la démarche d'enseignement proposée, on y trouve le questionnaire QAPL, on y trouve un autre questionnaire sur la littératie médiatique qu'on a produit pour les besoins de la recherche pour dresser le portrait des pratiques de communication des élèves. C'est de savoir où ils en sont, qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils aiment lire, pourquoi l'image, pourquoi pas l'image, etc. On retrouve aussi un recueil de trousses d'activités, je vais vous les montrer très rapidement, des vidéos, de nombreuses vidéos et photographies produites pour voir les enseignants en action. Ça permet de modéliser des pratiques. L'ensemble des études de cas que nous avons produites sont aussi là avec toute leur analyse, etc. Des grilles d'analyse aussi pour analyser avec vos enseignants ou vos propres pratiques pour voir est-ce que moi je fais des situations d'APL. Des grilles de textes pour savoir si c'est des textes les mêmes, pourquoi ils sont en littératie médiatique multimodale, comment les soutenir, etc. Et un guide de planification aussi pour des intervenants de type direction scolaire qui voudraient aller plus loin. Et déjà, par exemple, il y a un cours à l'Université de Montréal sur l'APL à distance qui est en train de se créer en lien avec le site APL. Donc, les outils sont vraiment très nombreux. Par exemple, il y a les trousses pédagogiques, où je vous en montre une ici sur le verbe, réalisé en quatrième année, où vous avez toujours pour l'ensemble la planification, le matériel nécessaire, toutes les tâches qui ont été réalisées en lien avec cette situation d'APL-là. Ce que là, nous, on a analysé de pourquoi c'est motivant, pourquoi c'est vraiment une situation d'APL, quelles sont les exigences de la tâche qui devraient être les exigences principales, quels sont les facteurs qui pourraient entraver, etc. Et on a toujours ensuite, par la suite, un mot de l'enseignante, donc des extraits signifiants de ce que l'enseignante qui l'a fait a dit de cette situation-là, en quoi elle a été utile, en quoi elle a été porteuse, etc. Et les recommandations par la suite de l'équipe de recherche. Donc, qu'est-ce que nous on dit pour bonifier? Donc, par exemple, vous avez un enseignant qui veut prendre la situation du verbe. Déjà, nous on dit, voilà ce qui manque, sans enlever de ce qui a été fait, mais dire, on voudrait la bonifier. Où est-ce qu'on peut aller plus vite et de manière plus engagée? Donc, chaque trousse présente comme ça. Donc, pour le verbe, le texte justificatif, on a pour les principes prosodiques, là, la communication orale, être un bon communicant au niveau de l'oral, les différents textes, la classe de mots, on a une activité sur la classe de mots secondaire 1 et 2 parce que c'est difficile les classes de mots, les placer, etc. Donc, il y a différentes activités que vous pouvez retrouver comme ça. Vous avez aussi tous les outils d'analyse du QAPL, notamment d'une situation d'APL, d'une situation elle-même, là,
ce serait long de toutes vous les dire, des articles, des diffusions, bien sûr, des présentations plus pratico-pratiques ou scientifiques, notamment destinées aux conseillers pédagogiques, aux directions d'école, aux enseignants directement. Donc, il y a vraiment une belle, belle variété à cet égard-là. Et comme je vous le disais, une série de grilles d'analyse, par exemple ici, pour analyser un texte multimédiatique, multimodal, voir ses obstacles, comment préparer son travail auprès des élèves, une grille pour les activités d'APL. Donc, par exemple, est-ce que je poursuis plusieurs buts? Est-ce que c'est sur plusieurs périodes? Est-ce que ça permet une variété de produits? C'est tous des éléments qui relèvent du modèle d'APL. Donc, vous en avez là, tu sais, le détail ici qui vous est donné. Mais vraiment, je pense que de passer du temps sur le site APL et de cliquer sur les différents outils va vraiment vous donner la meilleure idée de tout ce qu'on a produit pour assurer le transfert et la diffusion la plus massive de cette recherche-là. Donc, dans les écoles, parce que, comme le dit toujours Sylvie, lire pour comprendre, c'est bien, mais apprendre en lisant, c'est mieux encore. Donc, voilà, je pense que mon temps est terminé. Oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Alors, on va passer immédiatement, si vous le voulez bien, à la période des questions. Oui. Je vais circuler dans la salle pour les personnes qui souhaitent interroger Mme Martel. Et on prendra aussi les questions en web diffusion. Je m'adresse à Mme Jetté à savoir si on a beaucoup de questions déjà en. Oui, on en a. Alors, est-ce que vous voulez qu'on commence avec une question en web et puis après, j'irai dans la salle? Parfait. Merci. Aussi comme étant des textes qui pouvaient s'adapter. On a eu la difficulté, notamment au niveau de la grammaire, etc., parce que parfois, les gens trouvaient, même sur les textes descriptifs ou justificatifs, des sources, mais qui relevaient plus des programmes de Belgique ou de France. Et là, la présentation, la terminologie est fort différente. Là, on a dit, là, vous allez mêler tout le monde, là, vous ne pouvez pas utiliser ça. Parfois, on a eu vraiment le besoin, et ça a été fait par certains moments, de créer le texte. Donc, vraiment, de partir d'un texte et de l'adapter pour le créer. On a trouvé quand même certains extraits vidéo aussi. Ils sont tous détaillés dans les trousses. Là, on donne la référence de chacun des textes pour chacune des thématiques. Et parfois aussi, les enseignants se sont rendus compte, et ça a été un entrave, avec tellement ce souci de vouloir faire lire qu'ils en avaient trop mis. Et à trop mettre de texte, l'enfant se perd dans cette lecture-là. Et parfois, vaut mieux trois bons textes que 5-6 où on se perd, où on ne sait plus où aller au niveau des textes. Il y a eu aussi des extraits de manuels scolaires, de cahiers contenus. On a utilisé le matériel qui était disponible, mais en ressortant les éléments principaux. Et presque toutes les équipes et toutes les situations interpellent aussi un extrait vidéo quelconque, une présentation d'un vidéo, parfois créé par des classes. Il y a beaucoup d'enseignants maintenant qui le font, de mettre en explication. Et on dit, celui-là, il est pertinent. Et sans surprise, bien entendu, c'est souvent ces extraits-là dans lesquels les élèves, lorsqu'on les questionnait, me disaient « c'est grâce à l'extrait vidéo à la toute fin que vraiment j'ai compris que j'avais compris ce qu'il fallait apprendre hein, ». Parce qu'ils ont une facilité davantage, c'est sûr que là, on enlève la difficulté de lire au niveau textuel pour que ce soit donné, mais parfois ils ne prenaient pas toute l'information non plus nécessaire dans l'extrait vidéo. Mais c'est quand même, Sylvie a terminé le projet en disant « c'est sûr que ce qu'il faudrait, c'est qu'une maison d'édition ou même le ministère de l'Éducation. Mais tu sais, si on avait une banque pour chaque savoir en français ou certains savoirs ciblés de textes ou multitextes adaptés, disponibles ou dans lesquels on a un saut de qualité,
ça faciliterait de beaucoup le travail de dire, ben faites lire à ce propos-là. Je ne sais pas si je réponds bien à la question de Mme Ouellette. Merci. Alors, j'ai une question ici dans la salle. Oui, bonjour, je suis Raymonde Villemur, je travaille au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. C'est une question très élémentaire que j'ai à vous poser. Oui. Vous répondez à quels besoins et pourquoi y a-t-il un problème dans l'enseignement et pourquoi vous bâtissez tout ce type d'enseignement? Quel est le fondement de cette recherche? Le fondement de la recherche, en fait, à la base, la problématique va dans le sens que de manière générale, l'apprentissage par la lecture, les statistiques des recherches là, nous montrent que dans les milieux défavorisés, c'est 80 % des élèves du primaire et du secondaire qui ne sont pas capables de lire pour apprendre. Donc, ils ne sont pas capables, lorsqu'on leur donne un texte, d'acquérir, grâce à la lecture de ce texte-là, de nouvelles connaissances. C'est particulièrement problématique pour habituellement les disciplines, celles qui ont d'abord intéressé l'apprentissage par la lecture, toutes les disciplines qui s'appuient sur la lecture de textes variés. Je pense à l'histoire, moi je suis spécialiste en histoire, où on fait lire abondamment les élèves et pourtant ils ne réussissent pas à dégager de ces lectures l'information essentielle, tellement que de plus en plus les pratiques enseignantes, c'est de souligner pour les élèves, grâce au TBI, les phrases importantes en leur disant « apprends-les », c'est cette phrase-là qui est la phrase clé dans le texte. Alors, initialement, c'était vraiment la problématique, donc d'outiller nos élèves dans un contexte où le savoir est en perpétuelle transformation, de dire il faut créer des apprenants autonomes qui pourront apprendre par eux-mêmes grâce à la lecture. Et là, on en est venu dans ce projet-là à interpeller la classe de français parce que on avait quand même tout le temps les enseignants des autres disciplines qui nous disaient « je veux bien m'engager dans la lecture pour apprendre en histoire, en sciences, puis ajuster, mais j'ai l'impression qu'en amont, il y a un travail qui n'a pas été fait en classe de langue sur leur apprendre cette lecture-là, leur parler de cette lecture-là. Ils nous parlent d'appréciation littéraire, qu'il est des lecteurs littéraires qui ont lu des textes informatifs pour les comprendre et répondre à des questions. » Mais qu'ils ne l'ont jamais fait dans une perspective d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors, pour nous, là, l'enjeu de cette recherche-là, c'était de réussir à montrer qu'on pouvait le faire avec des profs de français, mais aussi de voir comment on pouvait les amener dans cette réflexion-là. Donc, on espérait, là, proposer une démarche qui, là, dans ce cas-ci, a fonctionné, mais sachant que les transformations sont longues et que là, on bute quand même avec les profs de français particulièrement, sur le fait qu'ils nous disent « mais ce n'est pas si apparent dans mon français, dans mon programme ». C'est-à-dire alors que, par exemple, c'est très facile de convaincre un prof de maths, d'univers social ou d'histoire que la lecture est importante parce qu'ils ne sont pas capables de faire les activités proposées à cause des difficultés de lecture. Alors que le prof de français ne les voyait pas, pas au niveau de la PL en tous les cas. Est-ce que c'est… Merci, on a une question en web. Oui. Alors, Mélanie Delisle pose la question suivante. Allez-vous nous parler de l'évaluation de la lecture par observation et non par texte-question? Est-ce que ça a eu cours au cours des 8 études de cas que les enseignants ont fait l'évaluation par observation? En fait, au niveau de l'évaluation, bon, là, il y a deux types. Là. C'est sûr que nous, par exemple, quand on vise l'apprentissage par la lecture, on peut évaluer la maîtrise du processus d'apprentissage par la lecture par ce qu'ils font au cours de la démarche. Et là, effectivement, il y a eu beaucoup, par exemple, de fiches d'auto-évaluation. Voilà ce que j'ai fait pour lire, pour apprendre. Je l'ai fait, je ne l'ai pas fait. Cette stratégie-là, je l'ai mis en place. Et ça, on était plus dans les grilles d'observation. Il n'y a aucune situation qui évalue à la toute fin la lecture grâce à un texte de type « j'ai lu un texte et je réponds à des questions dont la moitié sont directement dans le texte et je n'ai même pas besoin de lire le texte pour répondre aux questions, je vais juste chercher les questions et les mots-clés. Hein? » On connaît tout, un élève très fort peut répondre à 80 % des questions de cette façon-là au niveau… Par contre, nous, notre façon d'évaluer l'apprentissage par la lecture à la fin du processus, c'est de voir si les connaissances sont acquises. Donc, n'importe quelle production, par exemple, il y a eu des élèves qui avaient à produire un PowerPoint, les quatrièmes années ont eu à produire un PowerPoint dans lequel ils présentaient le verbe et ils faisaient faire une activité autour du verbe. C'est cette activité-là qui nous a permis d'évaluer si l'apprentissage par la lecture s'était bien effectué.
mais ce sont les traces laissées tout au long de la démarche, avec l'auto-évaluation par rapport aux stratégies, les organisateurs graphiques, parce qu'on a travaillé beaucoup par organisateur graphique, par post-it, par mots-clés sur les textes, parce que lire pour apprendre, c'est être actif sur sa lecture. Hein? Je note, j'écris, j'entoure, je souligne, etc. C'est rarement, bon, je lis comme ça avant de me coucher, j'espère que ça va rentrer. Non, non, c'est ces traces-là qui nous ont servi d'évaluation pour le parcours, et c'est la production qui nous a permis de voir s'ils avaient finalement compris ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est lui qui serait pas content, s'ils avaient finalement appris ce qu'ils devaient apprendre. Mais bien sûr, pour apprendre, il faut comprendre. Alors, la compréhension en lecture, elle est là, mais on va plus loin avec la PL. On a une autre question dans la salle. Oui. Bonjour, Sarah Delgawad du ministère de l'Éducation à la Direction des relations avec les Premières Nations, les Inuits et de la Nordicité. Je comprends que la recherche a été faite dans le cadre de l'enseignement de français, langue d'enseignement, dans des écoles francophones. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion ou des indices qui pourraient penser que ça s'appliquerait en contexte de langue seconde ou d'apprentissage d'une nouvelle langue, ou on n'en est pas rendu là? Si Mme Cartier était ici, elle serait, je pense, plus à même de répondre. Intuitivement, je pense qu'il y a un transfert possible. Il y a une réflexion, assurément, peut-être pour voir ce que ça l'interpellerait au niveau d'une autre langue, mais assurément, on lit pour apprendre dans les autres langues aussi, on est d'accord. Donc, je pense que le modèle d'apprentissage autorégulé en situation complexe serait assurément très aidant pour vous avec toutes ces étapes, les phases, les réflexions, plusieurs des stratégies qui sont proposées pour lire, pour apprendre aussi. Fait que ma réponse serait oui, mais je vous inviterais vraiment à consulter Mme Cartier pour voir. Je sais qu'elle n'a pas encore été dans cette dimension-là et pourtant elle a été dans beaucoup, beaucoup de milieux, dont des milieux par contre pluriethniques, dont la langue première n'était pas nécessairement le français, mais l'enseignement et l'école se faisaient en français, donc on travaillait quand même toujours dans cette idée de la langue française. Le temps file, alors je pense qu'on a une dernière question du côté du web. Merci. Oui, alors Madame Odette Laveau pose la question suivante. Vous parlez d'inclusion. Pouvez-vous élaborer sur l'application de la différenciation pédagogique en contexte APL? Oui. Un premier élément, parce que moi, ça m'a beaucoup marqué, donc je vais quand même le faire. Avec les enseignants, on a eu le travail qu'ils nous identifient les élèves qu'ils jugeaient en difficulté pour pouvoir les lister et voir. Et ça a été marquant de voir comment la plupart des enseignants, on était en début d'année scolaire, n'ont pas listé les élèves en difficulté véritablement identifiés. Ceux qui avaient une cote n'ont pas été identifiés par les enseignants et réciproquement. Donc là, il y a eu tout un travail avec eux de voir, mais pourquoi ce sont ces élèves-là que vous nous ciblez en difficulté et les autres qui ont leur cote, comme de quoi, leur plan d'intervention, etc., ça va bien. Donc, il y a eu un travail à faire à cet égard-là sur la représentation qu'ils se faisaient. Et parfois, il y avait raison de dire, ben c'est vrai, celui-là est plus en difficulté. Pour la différenciation, ça a été un travail de longue haleine de leur apprendre à faire cette différenciation-là. Pour nous, la différenciation s'est fait beaucoup par la démarche d'autorégulation. En APL, cette différenciation-là se fait beaucoup par le fait qu'on est très, très soucieux de toujours rétroagir avec l'élève, de prendre des indices de ce qui se passe pour adapter aux besoins la tâche, adapter aux besoins le texte. Par exemple, je pense à une enseignante qui m'a dit très vite, j'ai vu qu'avec une petite école, avec une petite équipe, par exemple, d'élèves qui travaillaient, il y avait un texte qui leur causait vraiment trop de problèmes. Je l'ai ôté, je leur ai dit, regardez, on va l'ôter celui-là, mais on va se concentrer sur lui. Donc, c'est beaucoup dans cette... Une adaptation, je constate, je rétroagis très rapidement, mais à la base, dans la planification, et c'est là que pour nous, il y aura un travail supplémentaire à faire, aucun enseignant n'a planifié avec l'idée qu'il devrait différencier, bien qu'il ait en contexte d'inclusion. Mais c'est dans le feu de l'action qu'il se rende compte, mon Dieu, ça ne fonctionne pas du tout, je dois faire quelque chose. Ça, c'est pour nos quelques enseignants qui ont fait quelque chose, parce que malheureusement, dans ces enseignants-là, il y en a que, ah mon Dieu, ça ne fonctionne pas, ah tant pis.
Et là, à la toute fin, il a fallu les faire réfléchir, mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux-là? Ben, pas fonctionner, là. Je pense qu'avec eux, c'est mieux que je reprenne le processus de leur enseigner la matière, comme ça, au moins, on est sûr qu'ils vont l'avoir. Et pourtant, il est engagé depuis 3 ans avec nous, et il y avait cette réflexion-là, quand même, à la fin, de dire, ben, peut-être qu'avec eux, ça serait mieux que je revienne sur... J'ai dit, oui, mais peut-être qu'on pourrait aussi travailler à les soutenir davantage. Et d'autres équipes écoles, au contraire, sont parties avec l'idée vraiment de continuer à bâtir et surtout d'assurer le transfert d'une classe à l'autre. C'est-à-dire que le discours tenu en français est un discours tenu aussi en classe d'univers social, en classe de sciences, sur l'apprentissage à la lecture. Et comme ça, tous les élèves savent, cheminent un peu dans la même dynamique. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, ça met fin à cette présentation. Je vous remercie. Merci. Alors, pour les gens qui sont en web, on va prendre quand même 2 petites minutes rapidement pour donner la chance à Mme Montesinos-Gelais de s'installer. Ah, c'est gentil, mais merci. Mais n'hésitez pas à contacter Mme Sartre pour une question, parce que ça pourrait l'intéresser beaucoup. Oui, on va aller s'asseoir. Ça vous stimule de s'entendre. Oui, je sais. Mais vous avez raison. Après, alors. Oui, alors bonjour, nous sommes de retour. Quelques minutes de retard, je m'en excuse. Merci. Alors, donc, la seconde présentation, Madame Isabelle Montesinos-Gelais, qui est de l'Université de Montréal. En fait, à la Faculté de sciences de l'éducation et du département de didactique, c'est bien ça? Oui. Donc, votre recherche que vous nous présentez aujourd'hui propose un éclairage sur les pratiques d'enseignement qui recourent ou exploitent les réseaux d'œuvres littéraires et, enfin, leurs impacts sur les élèves. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que le micro fonctionne bien? Oui, tout est beau. Alors, je suis très heureuse d'être présente avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette recherche qui, sincèrement, a été un vrai bonheur à réaliser.
un vrai, de vrai bonheur, comme j'en souhaite à tout chercheur. C'est une recherche que j'ai eu la chance de mener avec deux collègues et amis, Marie Dupin de Saint-André, qui est chargée de cours et chercheuse à l'Université de Montréal, et Annie Charron, qui est professeure à l'UQAM. Donc, je voulais les remercier aussi pour commencer. Je suis au bon endroit. Alors, peut-être pour commencer, je voulais vous parler du contexte de cette recherche-là. C'est une recherche-action, donc c'est une recherche dans laquelle il y a eu une intervention auprès des enseignants. Je vais vous en parler en détail de cette intervention. Les enseignants, c'était l'équipe école primaire, au niveau primaire, de l'École des Nations. L'École des Nations, c'est une école qui est située en milieu défavorisé à Montréal, dans le quartier de Côte-des-Neiges, et c'est une école quasiment exclusivement composée d'élèves allophones. Donc c'est important d'avoir cette petite information-là au point de départ parce que c'est loin d'être anodin. Les enseignants qui ont été touchés par cet accompagnement, c'était 27 enseignants de classe régulière. Il y avait aussi une très précieuse conseillère pédagogique, très précieuse, une directrice extrêmement engagée, extrêmement présente, trois orthopédagogues, j'en parlerai un petit peu plus tard, et tout un groupe de stagiaires qui, au fil des saisons, ont assisté à certains volets de l'accompagnement. Malheureusement, pas à tout, mais à des morceaux. Ce qui est important de savoir, c'est que cette école-là nous avait demandé de les accompagner. Donc, le projet est né de la volonté de l'école d'avoir un accompagnement pour l'exploitation de réseaux littéraires. Pourquoi cette école avait cette volonté-là? C'est que, à l'intérieur de l'école, il y avait plusieurs enseignants qui avaient été formés à l'exploitation de réseaux littéraires, qui avaient fait des études supérieures, qui avaient fait des micro-programmes, des maîtrises professionnelles autour de cette question-là, et qui avaient un fort rayonnement dans leur milieu. Leurs collègues étaient très intéressés par leurs pratiques et les besoins sont apparus de manière relativement naturelle au regard de ces modèles-là, de ces enseignants-là. Dans l'école, parmi les enseignants qui ont été suivis, il y avait donc des enseignants qui étaient des enseignants experts, qui avaient vraiment des pratiques exemplaires et qui étaient formés d'ores et déjà. Il y avait aussi des enseignants totalement novices, c'est-à-dire novices non seulement par rapport au réseau littéraire, mais novices tout simplement par rapport à l'enseignement à partir de la littérature jeunesse. Ce n'était pas du tout quelque chose qui faisait partie de leur pratique. D'autres enseignants intégraient ponctuellement la littérature de jeunesse. Mais de façon générale, cette intégration était limitée à la lecture, à une exploitation en lecture, et la plupart du temps, il s'agissait du dispositif de lecture interactive qui était mis en œuvre, parce que les enseignants avaient bénéficié d'accompagnement autour de ce type de lecture. Donc, vous avez un petit portrait de cette école, hétérogène en termes d'expérience, aussi de tout jeunes enseignants, des enseignants plus proches de la retraite, donc beaucoup d'hommes, ce qui n'est pas si fréquent dans les écoles primaires, donc je le souligne, beaucoup d'hommes dans cette école-là, des enseignants eux-mêmes allophones, pour un certain nombre d'entre eux, ça aussi c'est intéressant de l'avoir en arrière-plan. Donc voilà, ça vous donne une petite idée du contexte. Les objectifs, il y en avait trois. Je ne vais pas vous les dire en détail, ils occupent toute la diapositive tellement ils sont longs. Mais grosso modo, le premier objectif, on voulait observer la mise en œuvre, on voulait observer, décrire la mise en œuvre des pratiques d'enseignement. On voulait documenter les pratiques d'enseignement, d'exploitation des réseaux d'œuvres littéraires. Donc on voulait aller voir concrètement comment l'approche que l'on proposait, et je vais en parler bien en détail plus tard, comment cette approche était appropriée dans les classes. Deuxièmement, on voulait regarder les répercussions sur les élèves. Dans quelle mesure le fait d'adopter ce type de pratique a-t-il des impacts sur le développement des habiletés des élèves en lecture et en écriture ? Au niveau des trois cycles, des six niveaux du primaire. On voulait aussi, à l'intérieur de cet objectif-là, mettre en relation la qualité de mise en œuvre
avec la progression des élèves. Ça aussi, c'est un volet important de cet objectif. Et finalement, on avait un troisième objectif, plus centré sur l'accompagnement en tant que tel. On voulait savoir les aspects de cet accompagnement-là qui ont été les plus profitables, qui ont apporté le plus grand nombre d'impact sur les changements de pratique des enseignants. Donc, je vais y aller rapidement avec le premier objectif. Dans le premier objectif, on a utilisé deux outils. On a d'abord utilisé un questionnaire sur les pratiques déclarées. Et dans ce questionnaire, on s'est centré sur les dispositifs d'exploitation, de travail de la lecture et de l'écriture qui étaient utilisés par les enseignants. On a aussi regardé les contenus. Là, je vais vous parler principalement des dispositifs qui ont été utilisés. Et ce questionnaire a été réalisé avant le projet et au terme du projet. Par contre, notre nombre d'enseignants pour avoir une paire de questionnaires n'est que de 17. Excusez-moi, il m'arrive ce que je ne voulais pas qu'il m'arrive. Je sors d'une pharyngite, donc j'ai une canne de toux. Totalement involontaire. Donc, on a un nombre plus restreint d'enseignants que celui de l'étude, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu beaucoup de mouvements au sein de l'équipe école au cours de ce projet. J'en parlerai tout à l'heure. Merci beaucoup. Ce qu'il ressort de ce questionnaire-là, c'est que les pratiques, les dispositifs utilisés se sont énormément diversifiés et la fréquence d'utilisation des différents dispositifs s'est accrue de manière très importante. L'autre élément intéressant, c'est que les dispositifs qui sont apparus de manière plus fréquente étaient ceux dans lesquels les enseignants offraient le plus de soutien aux élèves. Des dispositifs dans lesquels il y avait beaucoup d'étayage, soit de la part des enseignants, soit entre les élèves, entre eux. Le deuxième volet par rapport à ce premier objectif, ça a été des observations. Nous sommes allés dans toutes les classes, donc dans les 22 classes. Je vous ai dit qu'il y avait 27 enseignants, mais il y avait 22 classes. C'est en raison des changements au fil du projet. Et dans chacune de ces 22 classes, il y a eu deux observations, ce qui fait 44 observations au total. Ce sont des observations ethnographiques, c'est-à-dire concrètement, ce sont des observations où on documente les pratiques par la prise de photographie. Généralement, lors de chaque observation qui dure une période, on documente les pratiques par environ 200 photographies. Donc, ça, c'est à peu près le rythme. Et par ailleurs, l'intégralité de la période est aussi enregistrée de manière audio. C'est un choix que j'ai fait il y a déjà plusieurs années, et ça fait plusieurs recherches que je réalise avec cette approche-là, parce que j'ai réalisé que pour les retombées de la recherche, disposer de photographies des pratiques, c'est extrêmement utile comme support à l'enseignement. C'est extrêmement précieux. J'en parlerai plus tard sur les retombées. Donc, on est allé à deux reprises dans ces 22 classes. C'est-à-dire moi qui prenais des photographies, et Marie Dupin de Saint-André qui, elle, faisait les observations à l'aide du très précieux modèle de Bucheton et Soulé, le modèle du multi-agenda des préoccupations enchâssées, qui offre des descripteurs extrêmement précieux pour documenter la qualité des pratiques. Donc Marie s'appuyait sur ce modèle à l'aide d'une grille pour vraiment observer tous les éléments des pratiques et de manière à dégager leur qualité en tant que telle. Ce qui a été impressionnant lors de ces observations-là, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en grande majorité, les enseignants se sont extrêmement bien approprié l'exploitation des réseaux littéraires. Dans 82% des observations, la qualité de mise en œuvre du réseau était soit bonne, soit très bonne ou carrément excellente. C'était même très fréquemment très bon ou excellent. Par contre, dans 14% des observations réalisées, la mise en œuvre s'est avérée problématique. Donc, c'est arrivé difficile.
On a voulu observer si c'était relié à un des éléments de l'acte d'enseignement par rapport au modèle de Bucheton et Soulé. Excusez-moi, non. Mais en fait, tous les aspects étaient problématiques quand les pratiques étaient problématiques. Ce n'était pas un seul aspect qui l'était. On avait, à l'intérieur de cet objectif, on voulait aussi regarder s'il y avait un lien entre la qualité de mise en œuvre des réseaux et la place que l'on pouvait observer dans l'environnement de la classe laissée au réseau. Et on s'est rendu compte que c'était tout à fait corrélé. Plus les enseignants investissaient le réseau littéraire qui leur était proposé, en mettant des écrits environnementaux, des éléments environnementaux dans la classe reliés à ce réseau-là, plus la qualité de mise en œuvre était grande. Merci beaucoup. Je suis vraiment confuse. Et... Merci infiniment. J'appréhendais. Quand je parle pas, ça va très bien. Quand je parle, c'est une autre affaire. Alors, on va aller au deuxième objectif maintenant. Le deuxième objectif, c'était de regarder les répercussions de la recherche sur la progression des élèves. En fait, notre difficulté au point de départ, c'est qu'on voulait évaluer les élèves, mais des évaluations en lecture qui sont déjà existantes et qui prennent en considération les quatre dimensions de la lecture et qui soient cohérentes avec une approche qui repose sur l'exploitation d'œuvres littéraires, eh bien, ma foi, il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Il n'y en a juste pas. Donc, il a fallu intégrer à notre recherche une mini-recherche de développement pour créer des entretiens de lecture qui soient exploitables à des fins de recherche. On a, à dire vrai, créer ces entretiens, fait cette mini-recherche de développement en quatrième vitesse. Parce que, entre le temps où on a appris qu'on avait heureusement obtenu cette subvention, et le temps où il fallait mettre en œuvre les pratiques, il ne s'est pas passé beaucoup de mois. Donc, c'était tout un défi de faire cette recherche de développement dans un temps si restreint. Là aussi, j'y reviendrai. On a utilisé pour l'écriture des joggings d'écriture. Les joggings d'écriture, c'est des situations d'écriture en temps limité. Ils peuvent être associés à toutes sortes de tâches. Là, pour le coup, les tâches que l'on avait choisies pour ces joggings d'écriture, c'était d'écrire, de faire un rappel de récits, d'albums sans texte qui préalent dans chacune des classes, dans les 22 classes, à 3 reprises, dans chacune des classes, dans les 22 classes, faire une présentation des albums sans texte. Les albums sans texte, c'était 3 albums d'Antoine Guillopé. C'était Prédateur, pour commencer, Loup Noir, dans un deuxième temps, Grand Blanc, dans un troisième temps. Lors de ces cueillettes de données, je faisais d'abord la présentation de l'album avec les élèves. J'invitais ensuite les élèves à faire un rappel oral collectif. Et ensuite, je leur demandais, comme tâche pour le jogging d'écriture, d'écrire cette histoire-là pour quelqu'un qui ne l'aurait pas entendu, donc de faire un rappel de récit. Et c'était en temps limité, ça durait 10 minutes. Et c'était la même tâche avec les mêmes œuvres, de la première année à la sixième année. C'est extrêmement intéressant d'avoir de telles données. C'est pas la seule chose qu'on a fait. Après coup, j'ai ramassé les productions réalisées en jogging, j'ai tout numérisé, je les ai tout de suite remises aux enseignants. Et les enseignants avaient 3 semaines avec leurs élèves pour travailler ces textes-là de leur manière habituelle, de manière à les réviser. Et il y a eu, pour tous ces textes-là, également une mise propre, une version corrigée. Ça aussi, c'était passionnant, parce que je n'avais rien donné d'autre comme consigne que de réviser selon leur modalité habituelle. Et j'ai documenté les modalités de révision. Et j'ai documenté qu'est-ce qui a changé entre les textes réalisés en jogging et ceux remis au propre. Donc ça, c'est la dimension écriture.
Les résultats en lecture, c'est que c'est essentiellement en appréciation que mes élèves ont progressé. Mais je prends ces résultats avec prudence. Parce que comme je vais vous en parler plus tard, l'outil d'évaluation demande encore à être peaufiné. Il faudrait bonifier les entretiens qui ont été créés. Par contre, il y a une chose extrêmement intéressante. Dans les entretiens, tous les processus d'Irwin ont été examinés, toutes les dimensions de la lecture ont été examinées, et notamment, j'ai observé, il y avait des questions inférentielles, évidemment, il y avait des questions inférentielles lexicales, anaphoriques, causales, et j'ai observé que les inférences anaphoriques, c'est-à-dire, par exemple, le recours à des pronoms, plafonnaient dès la deuxième année. Résultat qui m'a vraiment profondément surpris. Donc, il y avait vraiment des résultats de ce type. J'ai remarqué également que la réaction et l'interprétation progressaient beaucoup, principalement entre le premier et le deuxième cycle. Il y a un moment où il y avait cette progression qui était beaucoup plus importante. Au niveau de l'écriture, les éléments qui ont le plus évolué à la suite de l'intervention, c'est la matérialisation de l'écrit, c'est-à-dire la vitesse d'écriture et la qualité graphomotrice de l'écriture. Les élèves écrivent beaucoup plus à la suite de ce type d'approche-là, pour une raison très simple, fondamentalement, c'est que pendant l'intervention, ils écrivent beaucoup plus fréquemment. Donc, leurs gestes moteurs s'automatisent, se fluidifient, et ça se ressent tant par la vitesse, parce que dans un jogging, on peut regarder ça, c'est facile, que pour la qualité. Au niveau de la langue, plus particulièrement, l'orthographe grammaticale et l'orthographe lexicale ont été affectées positivement par l'approche. Les élèves ont beaucoup progressé dans ces dimensions-là. Et les élèves ont aussi progressé par rapport à la syntaxe, par rapport à l'énonciation. Donc, ils maîtrisent mieux les normes syntaxiques au terme du projet, de manière significative, et la richesse syntaxique s'est elle aussi accrue dans un grand nombre de classes. Globalement, la progression la plus significative, c'est vraiment matérialisation, orthographe grammaticale, normes syntaxiques. Si on regarde maintenant entre les textes produits en jogging et les textes révisés, qu'est-ce qui a été le plus affecté par le travail de révision? C'est grosso modo le nombre de mots. C'est la quantité de texte qui a été affectée. Et la chose qui est troublante, c'est qu'on pourrait se dire, le nombre de mots a été affecté, ils doivent enrichir davantage leur texte. Non. Ils mettent beaucoup plus de précision, d'anecdotes, de détails. C'est pas tellement l'enrichissement syntaxique qui a progressé, ça a progressé l'enrichissement syntaxique, mais c'est pas ça qui est important. C'est vraiment la quantité de détails apportés dans la production. La chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est que au terme du projet, dans l'enrichissement syntaxique des textes réalisés en jogging, c'était extrêmement fort. Je vais vous lire un texte réalisé en jogging, un petit extrait rapidement, parce que c'est bien parlé, mais c'est bien d'avoir des contenus réels, des données empiriques réelles. Je vais vous lire un extrait d'un texte d'un élève de 6e année. C'est pas le meilleur texte, c'est pas le pire texte, c'est un texte, disons, moyen fort. Mais vous allez voir que ce moyen fort milieu allophone défavorisé est assez impressionnant. Par une belle journée d'été ensoleillée, un grand requin blanc guette sa proie, un beau phoque tout à lui. Il n'était pas seul à le vouloir, car tout près de lui, une orque très rusée n'attendait que le bon moment pour y aller. 3, 2, 1, c'est parti. Il nage aussi rapidement qu'une baleine bleue pour ne pas la rater. Une aussi belle proie, ça ne se trouve qu'une fois. Le phoque, lui, très intelligent, avait senti que quelque chose ne marchait pas. En jogging, il s'est arrêté là. Dans le texte au propre, il n'a rien changé à tout ça. Il faut dire que c'est plutôt bon. Il a rajouté
hein, il a rajouté la fin du récit. Donc, vous avez, je vous dis, sixième année, milieu défavorisé, milieu allophone. Je voulais que vous ayez accès. Donc, ça a donné ça chez les élèves, concrètement. Maintenant, parce que sur le moment, les résultats que je viens de vous présenter, c'est ceux qui étaient directement annoncés dans le dans la proposition, dans le projet. Mais vous rendez compte, on a une mine d'or là. On a une quantité astronomique de données, extrêmement riche et précieuse. Et on est en train de faire plein d'autres analyses complémentaires autour de ces données-là. Des analyses sur le lexique, par exemple, la variété lexicale, des analyses qui permettent de voir les effets des enseignants à un même niveau, quelles sont les différences chez leurs élèves dans leur évolution, dans leur production, dans le type de mots qu'ils investissent, dans les procédés d'écriture qu'ils investissent. Il y a plein de choses qui, à travers ces analyses-là, me surprennent et m'intéressent grandement. Par exemple, quelque chose qui m'a surpris beaucoup, j'avais comme représentation que les adverbes étaient relativement peu utilisés par les élèves du primaire. Eh ben non, pas du tout. Il y a plus d'adverbes que d'adjectifs actuellement qui sont utilisés. Beaucoup de marqueurs de relation. Chez du tout petit de troisième année, par exemple. Très impressionnant. Et c'est évidemment pas sans lien avec les pratiques des enseignants. Et là, je suis en train de vous parler des jogging d'écriture, c'est-à-dire de textes produits en 10 minutes sans révision spécifique. Donc, ça, c'est quelque chose d'important que je voulais mettre en relief. La relation entre l'objectif 1 et l'objectif 2, c'est prévisible, mais les classes dans lesquelles la qualité de mise en œuvre de l'approche est la meilleure, ben, permettent un meilleur progrès à leurs élèves de manière tout à fait significative. Pour ce qui est de l'accompagnement, je vais vous en parler en détail parce que c'est un petit bout qui vous manque là. Vous savez que je travaille avec des réseaux littéraires, mais je ne vous ai même pas expliqué ce que c'est un réseau littéraire. Vous n'avez pas une idée précise de ce que les enseignants ont fait. Donc un réseau littéraire, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est l'exploitation successive de plusieurs œuvres littéraires et une exploitation qui vise à mettre en lien ces œuvres-là, à faire des échos entre les œuvres. Donc dans cet accompagnement-là, les enseignants ont été rencontrés 90 demi-journées. Donc c'est un accompagnement quand même extrêmement massif. Ces 90 demi-journées ont été réparties sur 2 ans. Initialement, dans le projet tel qu'il avait été annoncé et subventionné, ça devait durer 1 année. Mais les enseignants étaient tellement intéressés par le projet et la direction tellement engagée dans le projet qu'ils ont trouvé les fonds pour libérer les enseignants 1 année supplémentaire. Donc, c'est important de le savoir aussi. Les enseignants ont été séparés en 5 sous-groupes. Pour le premier et le deuxième cycle, c'était des sous-groupes de niveau scolaire. Pour le troisième cycle, qui comptait moins de classes, c'était le troisième cycle au complet. Et en plus, au troisième cycle, il y avait une classe qui était multiniveau. Donc, c'était aidant qu'il en soit ainsi. La conseillère pédagogique, ô combien précieuse, était toujours présente. Et la directrice, elle était très fréquemment présente. Hein, au regard des charges d'une direction d'école, c'est impressionnant son investissement. Il y avait aussi très fréquemment des orthopédagogues et, comme je le disais tout à l'heure, des stagiaires. Il y a même des stagiaires qui, après coup, ont choisi de venir travailler dans cette école-là en raison du fait que leurs collègues exploitaient les réseaux littéraires et qu'ils étaient habiles à ça. En première année, lors de la première année, les enseignants ont choisi 2 réseaux littéraires parmi ceux qui étaient présents, publiés dans la revue Le Pollen. Donc, ils n'ont pas eu tout à créer. Ils ont eu le choix de, parmi un très grand nombre de réseaux littéraires, de sélectionner un qui leur plaisait et ils avaient tout à fait la liberté de l'adapter à leurs propres besoins tout en étant accompagné dans le cadre de cette adaptation-là. Pendant tout l'accompagnement, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le fond, tout l'accompagnement a été consacré à soutenir les enseignants de manière à ce qu'ils se familiarisent avec les dispositifs d'exploitation des réseaux littéraires et des différentes œuvres qu'ils allaient exploiter dans leur classe et à ce qu'ils se familiarisent également avec l'analyse des œuvres.
Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé les dispositifs, beaucoup travaillé les œuvres, beaucoup travaillé l'analyse. On a beaucoup modelé le genre de tâches qu'ils allaient faire vivre à leurs élèves. Ils ont beaucoup vécu ces tâches-là. C'est-à-dire que c'est bien beau, par exemple, de dire « la lecture à deux, c'est formidable, c'est très profitable pour le développement des élèves ». C'est encore pas mal mieux de vivre des lectures à deux et de se rendre compte qu'est-ce qu'on vit quand on vit une lecture à deux, même quand on est un adulte. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, toujours. Évidemment, par rapport à cet objectif 3, on a utilisé différents objectifs, différents outils pour documenter cet objectif-là. Déjà, il y avait, la première année, on avait le budget pour avoir une auxiliaire qui prenait en note le verbatim de chaque rencontre. Ça a été le cas pour toute la première année. Pendant même la première année, au terme de chaque accompagnement, de chaque demi-journée d'accompagnement, les enseignants remplissaient une petite appréciation écrite. Au terme de la recherche, il y a eu un bilan de la recherche qui a fonctionné par des focus groups, des groupes de discussion avec un outil qui s'appelle les chapeaux de bonnet pour les amener à parler de comment ils avaient vécu cette expérience-là. La directrice a été interviewée, la conseillère pédagogique a été interviewée. Sans que ce soit directement relié à cet objectif-là, on a fait un suivi aussi avec les orthopédagogues parce qu'ils n'étaient pas directement concernés par le projet, mais ont été présents. Et évidemment, ce projet les a beaucoup affectés parce qu'elles ont éprouvé le besoin de modifier leurs pratiques pour qu'elles soient cohérentes avec les pratiques adoptées en classe. Donc, j'en parlerai quant aux pistes que ça permet de faire émerger. Alors, les résultats relatifs à l'accompagnement. Qu'est-ce qui a été important pour les enseignants dans cet accompagnement-là? Ce qui ressort, c'est le soutien. Elles ont beaucoup apprécié être soutenues par les chercheuses. Elles ont beaucoup apprécié d'avoir la présence d'une conseillère pédagogique pour les accompagner. Pour les accompagner, bien sûr, lors des rencontres, mais pour les accompagner entre les rencontres aussi. Elles ont beaucoup apprécié également de bénéficier d'un accompagnement d'une durée de 2 ans. Je me rends compte que je parle au féminin alors qu'on a plein d'hommes. Ils ont donc beaucoup apprécié. Ils ont aimé aussi que je vienne en classe lors des jogging pour modeler ce dispositif-là, pour voir ce que c'était, pour voir l'animation d'un album sans texte en classe. Ils ont aimé se faire observer et avoir des rétroactions très spécifiques par rapport à leurs gestes d'enseignement. Ils ont aimé développer leur culture littéraire, découvrir des dispositifs d'exploitation de la littérature pour travailler la lecture, pour travailler l'écriture, de clarifier certains dispositifs qu'ils connaissaient déjà. Ils ont beaucoup apprécié de bénéficier de modelage des dispositifs, hein, qu'on les vive ensemble et qu'il n'en soit pas juste question. Propos d'enseignants, on a été chanceux de pouvoir le faire sur 2 ans, parce qu'un an, c'est vraiment trop court. Par rapport à leurs impacts sur l'enseignement, évidemment, ils ont eu le sentiment que ça enrichissait de beaucoup leur pratique d'enseignement de la lecture et de l'écriture, qu'ils étaient en mesure d'offrir un bien meilleur soutien à l'apprentissage, que c'était des enseignements qui étaient significatifs pour les élèves, qu'ils éprouvaient du plaisir à enseigner, qu'ils étaient heureux de découvrir ces nouvelles pratiques évaluatives également et de les mettre en œuvre, qu'ils ont aimé utiliser des albums. Pour les grands, ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser des albums, ils ont aimé utiliser des albums. Ils se sont sentis fiers et compétents. Rien de tel que donner les mots des enseignants. Les réseaux, comment les mettre en œuvre et tous les dispositifs, je ne connaissais rien de ça. L'analyse collective est une des stratégies apprises en accompagnement et utilisées avec mes élèves. J'ai constaté qu'elle a créé un lien très fort entre moi, mes élèves et les élèves entre eux. J'ai tellement plus de plaisir. J'aime beaucoup aussi une anecdote un petit peu plus longue d'un enseignant qui dit « Demandez à 2 conducteurs dans une grande ville qu'ils ne connaissent pas d'aller à un point A à un point B. Mais à un des 2 conducteurs, on lui donne un GPS. L'accompagnement est pour moi ce système GPS qui a facilité mon développement professionnel. »
facilité mon développement professionnel, m'a permis de développer une culture littéraire. Un livre entre les mains, je ne le vois plus de la même façon qu'au début. L'accompagnement a représenté pour moi un trait d'union entre la théorie et la pratique. Sans lui, je n'aurais jamais essayé tant de choses avec mes élèves. Tout simplement, l'accompagnement m'a donné une grande confiance en moi. Les impacts sur les élèves. Les enseignants relèvent des impacts importants, eux, sur leurs élèves. Un intérêt, un engagement, une motivation à lire et écrire. Une plus grande culture littéraire. Le développement des compétences en lecture, en écriture et à l'oral. Plusieurs anecdotes, il y a une anecdote qui m'avait bien intéressée, une enseignante qui disait on allait à la bibliothèque une bibliothèque municipale à côté de l'école, et les bibliothécaires sont venus dire à l'enseignant, mais vos élèves, ils connaissent plein d'auteurs, ils sont curieux, ils me demandent des auteurs en particulier. Donc bref, dans le milieu, les comportements des élèves étaient vraiment changés, au point que ça se remarque. Quelques difficultés rencontrées au sein de cette recherche-là. Il y avait beaucoup d'accompagnement et on a été heurté par la pénurie de remplaçants à la CSDM. Ça rendait les choses très difficiles parfois. L'autre élément complexe, c'est qu'en plein l'année où il y avait la cueillette de données avec les élèves, l'école était en travaux pour des moisissures et tout le cycle 2 et le cycle 3 avaient déménagé dans une autre école qui était située à l'autre bout de la ville, à Hochelaga-Maisonneuve. Hein, pour vous dire, une Côte des Neiges, Hochelaga-Maisonneuve, c'est pas à côté. Bref, ça, c'est pas évident. Les entretiens de lecture avec les bruits de perceuse, c'est pas évident. Beaucoup de changements d'enseignants au sein de l'école, au fil de l'accompagnement. La mise en œuvre des entretiens de lecture, au départ, ce devait être les enseignants. On les avait formés pour le faire, mais c'était très difficile. On avait surestimé le fait d'intégrer aussi rapidement un dispositif aussi complexe. Donc, c'est nous qui les avons faits, finalement. La trop faible prise en compte de l'évaluation des apprentissages des élèves dans le cadre de l'accompagnement. Les enseignants étaient très, très outillés sur l'enseignement, mais avaient beaucoup de besoins. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais en évaluation? Je suis pas satisfaite des évaluations que j'ai dans mon manuel ou de ce que je faisais avant. C'est pas cohérent avec ce que je fais comme enseignement. Donc, tout comme Virginie le disait tout à l'heure, gros enjeu. Une fois qu'on fait ça, une fois qu'on change les pratiques, l'évaluation doit suivre aussi. Ok, je vais aller très vite pour aller au message clé, je crois. Je vais aller directement au message clé parce qu'il reste très peu de temps. Et aux organismes subventionnaires, message clé, comme les changements de pratique demandent du temps et du soutien, il est vraiment nécessaire d'investir dans des projets de recherche-action. C'est important. C'est apprécié. Aux responsables de la formation des enseignants, le modelage des dispositifs et des tâches, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour assurer une mise en œuvre efficace. Décrire, dire, nommer des dispositifs ou des tâches, ça ne suffit pas. Aux enseignants, enseigner avec la littérature jeunesse, ça demande de développer sa culture littéraire. C'est un travail au long cours, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut accepter et pas se sentir trop incompétent par rapport à ça. Et ça demande aussi, ça requiert beaucoup de connaissances des dispositifs d'enseignement. Tout ça nous a mené à de nouvelles pistes de recherche. Il serait important qu'il existe des subventions qui permettent la recherche, développement d'outils à la fois utiles à la recherche et à l'enseignement. Par exemple, pouvoir travailler les entretiens de lecture. Il serait important de mettre beaucoup plus l'accent sur l'évaluation des compétences en français. Il y a vraiment des enjeux là. Il serait important également de soutenir les orthopédagogues pour que leur modalité d'intervention puisse s'arrimer avec les pratiques novatrices qui sont mises en œuvre en classe.
Je vous remercie infiniment pour votre patience. La voix, ce n'est pas très agréable. Je veux remercier plein de gens. Programme de recherche, FRSQC, SCQC. Excusez-moi, ça change l'ordre des lettres, je ne sais plus. Le MES, toutes mes co-chercheurs, l'équipe école au complet, des gens formidables, vraiment formidables. Les deux Karine qui ont aidé à développer les entretiens de lecture et toute l'équipe d'auxiliaires de recherche. Sans eux, cette recherche ne serait pas. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ça implique beaucoup de gens et c'est nécessaire pour l'avenir aussi, pour les projets éventuels. Alors, on va passer tout de suite à la période de questions. Je n'ai pas de questions en ce moment en web diffusion, mais ici, dans la salle, je vais vous demander de vous demander. Oui, mon nom est Samantha, je suis enseignante au primaire ici à Québec. Je me questionne parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup quand vous dites qu'il y a un besoin au niveau des nouvelles façons d'évaluer. Est-ce qu'il y a une ouverture après, là, au niveau, par exemple, des examens du ministère? Parce que nous, on va quand même se retrouver à développer, par exemple, plein de belles façons d'évaluer autrement la compétence des élèves sans que ce soit des examens. T'sais, on est toujours à chercher comment on peut faire autrement, mais en bout de ligne, à la fin de sa sixième, mon élève, il faut quand même qu'il fasse son examen du ministère. Mm-hmm. L'enjeu, c'est toujours, est-ce que j'enseigne à mes élèves ou je les prépare aux examens mm-hmm. du ministère? Je veux savoir, au niveau du ministère, il se passe quoi là-dessus? J'aimerais bien répondre à une telle question, mais je ne suis pas au ministère. Je ne suis j'ai aucun pouvoir sur cette dimension-là, et je comprends. Mais par contre, pour répondre à votre question, j'enseigne ou je les prépare? Enseignez donc, hein? Enseignez donc. Je pense que c'est un meilleur calcul. Une autre question ici dans la salle, je vais me rendre. Bonjour, Sarah Abdelgawad, la direction des relations avec les Premières Nations, les Inuits et de la Nordicité. Côté applicabilité, dans votre recherche, la CP était à l'école. Est-ce que, parce que ça ne doit pas être le cas dans toutes les écoles. Elle n'était pas à l'école. C'était l'ACP de la commission scolaire. Donc, c'est très applicable et très exportable à pas mal toutes les commissions scolaires. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame Bégin. Alors, j'ai ici un commentaire de Madame Louise Boussier. Elle écrit « Merci beaucoup pour cette belle présentation. J'ai beaucoup apprécié l'emphase mise sur l'activité de jogging, dont la lecture d'un texte d'un élève, ainsi que sur la collaboration entre les différents acteurs impliqués. Explication très claire, malgré la voix. » Merci. Oui, c'est assez pénible à écouter quand quelqu'un tousse. Je suis désolée. Est-ce qu'on a une autre question? Annie Pelletier, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Capitale. J'aimerais savoir comment a été prise en compte la progression des apprentissages. Ah, c'est central. C'est-à-dire que, en fait, les réseaux littéraires qui sont créés dans la revue Le Pollen. Hein, la revue Le Pollen, c'est... Ah, excusez-moi. Je parle avec les mains. Hein, côté le sud. Les réseaux littéraires, c'est donc... sont donc toujours créés dans Le Pollen en respectant la progression des apprentissages. C'est-à-dire qu'au point de départ, on met toujours en lien les tâches que l'on veut proposer aux élèves avec les prescriptions pour ce niveau, pour ce cycle-là, parce que les réseaux sont des réseaux cycles. Donc, on met toujours en lien. Donc, du coup, c'était central. Et nous, dans nos interventions, c'était central aussi. C'est-à-dire que quand les enseignants voulaient faire des adaptations, on avait la progression des apprentissages, on regardait, etc. En même temps, par rapport à la progression des apprentissages. Cette recherche-là a des retombées au niveau des productions des élèves qui, et au niveau de la lecture, etc., qui montrent qu'il y aurait probablement des bonifications à apporter à ce superbe document, mais qui mériterait d'être mis à jour encore. Je vais vraiment dans le sens de Virginie. Il manque des choses sur l'exploitation de la lecture. Il manque des choses, apprentissage par la lecture, apprendre à écrire en observant l'écriture des auteurs. Il manque des choses sur ça. Il manque des choses sur le traitement de l'image.
c'est important en français, c'est important en art, c'est important en sciences, c'est important en univers social, c'est important dans les disciplines, et c'est pas encore dans le programme, et c'est pas encore dans la progression des apprentissages. Il manque des choses en écriture sur la graphomotricité, hein, il y a des aspects qui sont pas encore présents, mais ces prescriptions, c'est toujours quelque chose, c'est en progrès, c'est en construction, c'est la meilleure, comment dire, c'est la meilleure solution possible hein, dans un temps donné au regard de ce que l'on sait, mais c'était clairement notre document de travail, mais c'est aussi clairement quelque chose qui demanderait à être travaillé encore. Alors, Joanne Tremblay, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Capitale au primaire en français. C'était seulement pour un petit peu mettre de l'eau au moulin ou rajouter quelque chose à la question de l'enseignante qui est devant moi. C'est vrai qu'on se dit enseignant, c'est vrai, mais c'est un réel enjeu. Oui. Parce que les pratiques changent et changent de belle façon. Mmh. On vit des entretiens de lecture, on change notre approche en écriture. Et on se retrouve avec cette situation d'évaluation-là. Et comme disent certains, des fois on se dit, est-ce que je dois les préparer à ce style examen-là pour pas que mes pratiques à moi leur nuisent en bout de course. Oui. Alors, on est déchiré. Oui. Dans la réalité de la classe, ce déchirement-là, c'est effectivement enseignant. Mais là, rendu au mois d'avril, faut pas en venir à paniquons. Oui. C'est ça là, qui arrive. Oui. C'est vrai que c'est un enjeu majeur. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup. On a peut-être une autre question dans la salle. Puis, est-ce qu'on a une question en attente pour aller? Bonjour, Olivier de Zutter. Isabelle, moi, j'aimerais bien que tu puisses nous dire un peu plus ce que tu penses de la situation sur laquelle tu as beaucoup insisté, à savoir que c'était une école où il y avait une majorité d'élèves en situation de... linguistique particulière, à savoir que c'était des élèves allophones. Alors, qu'est-ce que vous avez observé de particulier à ce niveau-là dans le travail que vous avez fait avec ce type de public par rapport à un contexte qui serait différent? Oui. Allophone et défavorisé. C'est important. Parce qu'actuellement, je travaille dans une école allophone favorisée. C'est pas pareil. Les enjeux sont pas les mêmes. Il y a beaucoup d'éléments. En fait, je dirais que... Excusez-moi, ma pastille qui sort. Désolée. C'est dur de parler avec une pastille. Ça aide pour pas tousser, mais pas évident pour parler. tout ça va être enregistré en plus. Mince. Pour l'éternité. Donc, par rapport à ça, premier élément qui me vient à l'esprit comme réponse, ça a des incidences sur les enseignants. Ça a des incidences sur les enseignants parce que, par exemple... les enseignants misaient beaucoup, quand ils travaillaient à la lecture, misaient beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la compréhension, plus que sur les autres dimensions de la lecture, parce qu'ils avaient beaucoup plus d'enjeux reliés à la compréhension. L'autre élément qui ressort, c'est qu'ils travaillent probablement avec une beaucoup plus grande fréquence le lexique. Et toutes les classes lexicales, hein, j'ai vu, dans certains cas, j'ai vu un travail tout à fait remarquable sur l'enseignement lexical des verbes, par exemple. Donc, il y a ces dimensions-là. Donc, ça a beaucoup d'impact sur ce que vont prioriser les enseignants lorsqu'ils enseignent. Et ça va se ressentir, nous, par exemple, quand on a sur les contenus. Ça se sentait sur les contenus. Ils travaillent les autres contenus, mais ils ont moins de temps à consacrer à ces autres contenus-là que s'ils exerçaient avec une autre clientèle. Évidemment, pour les données relatives aux élèves, ça a beaucoup d'incidence, parce qu'évidemment, toutes mes données, elles ne sont pas généralisables. Elles sont reliées à cette population-là. Elles sont généralisables dans le contexte montréalais, peut-être, mais par ailleurs, pas vraiment, parce que ça a beaucoup d'incidence, notamment il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs de genre, ce qui est relativement connu, mais il y a énormément d'erreurs de préposition aussi. Et il y a beaucoup d'erreurs de déterminants par rapport aux déterminants définis, indéfinis. Ça ressort énormément dans l'écriture. Et encore le genre ou les prépositions, c'est quelque chose pour lequel on a une prise, je trouve, dans l'enseignement lexical. Mais toutes les subtilités quant à l'usage de déterminants définis ou indéfinis, que comme locuteur natif, on en a une intuition à cause de l'oral,
c'est extrêmement difficile de faire comprendre ça à des élèves au niveau du primaire. Et ça ressort très clairement dans leur production. J'irai là-dessus. Merci beaucoup. Alors, on a plus de questions. Donc, On avait une dernière question. Oui, allons-y. Ben, tout à fait. Oui, c'est vraiment bien ce que je peux lire sur le clavardage. Alors, il y a Madame Karine Sonny-Beaupré, l'actuelle responsable des programmes de français, qui précise les coordonnées de la responsable d'évaluation au ministère au primaire, mais qui affirme que les pratiques que nous avons vues aujourd'hui là, de réseau littéraire, permettent tout à fait aux élèves de réussir une épreuve, car ils auront développé les quatre dimensions de la lecture, notamment. Et ensuite, il y aurait une question de la part de Lise Ouellet, l'ancienne responsable. Quelle est la formation ou l'accompagnement nécessaire pour que les enseignants deviennent habiles à faire des entretiens de lecture? Plus de temps qu'on en a consacré. Parce qu'en fait, on avait séparé les groupes par cycle pour la formation, pour les entretiens de lecture, et on avait consacré une demi-journée de formation lors de laquelle on avait présenté les entretiens qui étaient déjà construits, on avait présenté des vidéos qui mettaient en œuvre les entretiens avec des élèves, et on avait discuté autour de ça. Il aurait fallu qu'il y ait une première mise à l'essai, qu'il y ait des autres. Idéalement, là, si j'avais tout à refaire par rapport à ça, ça serait le début, ce qu'on a fait. Ensuite, je proposerais aux enseignants d'aller les observer lorsqu'ils mettent en œuvre un entretien. J'analyserai avec eux après coup qu'est-ce qu'ils ont trouvé difficile, qu'est-ce qu'ils ont trouvé plus facile, comment... Qu'est-ce qu'ils découvrent sur leurs élèves à partir des entretiens? J'aurais travaillé de manière beaucoup plus approfondie sur l'accompagnement des enseignants pour qu'ils maîtrisent ce dispositif-là, pour qu'il y ait un retour sur leur pratique. C'est trop rapide, une demi-journée de formation. Même si on est en groupe restreint, même s'il y a des documents vidéo qu'on analyse, qu'on observe ensemble, c'est un dispositif complexe à mettre en œuvre et à adopter, qui demande du temps. Et ce que j'ai pas eu le temps de préciser, c'est que les entretiens aussi, on a fait tout un travail pour sélectionner les œuvres avec livres ouverts, qu'ils aient les mêmes indices de difficulté, qu'ils soient du même auteur le plus fréquemment, sur le même thème, le plus comparable possible à plein de niveaux. On a vraiment structuré toutes les questions pour qu'ils soient tout à fait comparables, même de niveau, des différents niveaux, etc., qui ont le même nombre, sur les mêmes types d'objets, etc. Mais, ça n'est pas suffisant. On a beau avoir une question d'inférence causale dans chaque entretien, et toutes les inférences causales ne sont pas aussi faciles ou difficiles à faire. On a beau avoir une question d'inférence anaphorique, ce n'est pas la même chose. On a beau demander un rappel de récit, il y a des récits qui sont plus faciles à rappeler que d'autres. Donc, c'est très, 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 très difficile d'improviser la création de ce type d'outil, même en se dotant de stratégies sérieuses. Ça demande plus que ça. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, ça met fin à cette présentation. Merci donc à Isabelle Montesinos-Gelais. Nous allons prendre une pause de 5 minutes maximum pour reprendre à 11h05 avec M. De Zutter. Merci.
de latin. Alors, bonjour, nous sommes de retour. Je vous rappelle que nous sommes en web diffusion et également qu'à la toute fin de la présentation, vous pourrez transmettre vos questions. Madame Caroline Bégin reçoit vos questions et pourra les relayer à Monsieur Dezoutard. Donc, je vous présente Monsieur Olivier Dezoutard qui est à la faculté d'éducation, en fait, au département de pédagogie de l'Université de Sherbrooke. Et donc, le projet présenté, les résultats présentés, en fait, c'est la démonstration là, que les activités culturelles certaines et à certaines conditions ont une influence auprès des élèves et de leur rapport à la lecture et à l'écriture. Alors, bienvenue, M. Dezoutard. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bonjour aussi à toutes les personnes qui nous suivent derrière leur écran. J'aimerais commencer en sollicitant votre contribution. Je voudrais vous inviter à remonter dans le passé, dans votre passé, et à raviver vos propres souvenirs scolaires. Alors, en convoquant vos souvenirs d'école, et pour les personnes qui sont présentes ici dans la salle, je vous demanderai de jouer le jeu, peut-être de lever la main en réponse à trois questions. Quelles sont parmi vous les personnes qui se souviennent avoir eu l'occasion de rencontrer une auteure ou un auteur dans le cadre de leur parcours scolaire? Alors, on a trois personnes ou quatre qui ont levé la main ici sur une quinzaine de présentes. Je ne sais pas combien ont levé le doigt derrière leur écran, mais on va poursuivre. Combien d'entre vous se souviennent avoir eu l'occasion de prendre part à un spectacle de théâtre dans le cadre de son parcours scolaire? Alors là, on en a beaucoup plus. Là, ici, on a presque l'unanimité autour de la table, presque. Et puis, combien de personnes parmi vous se souviennent d'avoir eu l'occasion de faire une visite à un salon du livre dans le cadre de leur parcours scolaire? Et là, on en a 5 ou 6 personnes, un peu moins. Il y en a qui ont un peu de mal à se retrouver dans leurs souvenirs. Surtout ça. Alors, merci. Quand je pose cette question à mes étudiants, dans les cours de didactique des futurs enseignants de français au secondaire à l'université depuis quelques années, invariablement, j'ai à peu près un tiers de mes étudiants qui me disent avoir eu l'occasion, dans le cadre de leur parcours scolaire, soit de rencontrer un auteur, soit d'assister à un spectacle de théâtre, soit de faire une visite à un salon du livre. Ce qui signifie que 2/3 des personnes qui se préparent à enseigner le français n'ont pas vécu ce type d'expérience dans leur parcours scolaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que dans les classes, dans les milieux scolaires, s'organisent des activités culturelles? Quelles sont ces activités? Dans quelles conditions elles s'organisent? Quels sont les effets de ces activités sur les élèves, en particulier sur leur rapport à l'écrit, à la lecture, à l'écriture, à leur motivation? Eh bien, ce sont les questions que nous avons souhaité aborder dans le cadre de cette recherche collective qui était en réponse aussi à un item spécifique de l'appel à proposition. C'est une recherche qu'on a menée en équipe avec des compétences complémentaires avec mes collègues Marie-Christine Baudry, Éric Falardeau, Myriam Lemonchois. Et c'est une recherche pour laquelle il nous a fallu d'emblée d'abord déterminer ce que nous appelions par activité culturelle. Bon, on va s'intéresser aux activités culturelles, mais qu'est-ce qu'on entend par activité culturelle? Dans le cadre des travaux que nous avons menés, nous avons retenu la définition suivante. Pour nous, une activité culturelle, c'était une activité réalisée dans le cadre du cours de français. Qu'on soit au primaire, on a des enseignants généralistes, il fallait qu'il y ait un lien avec la discipline française, ou au secondaire, une activité initiée par les professeurs de français, une activité qui était menée en collaboration avec des partenaires du milieu culturel, donc ce n'est pas l'enseignant seul qui mène cette activité, il fait appel à quelqu'un d'externe, qui peut être un artiste, un écrivain, un professionnel du monde du livre, etc., et des activités qui impliquent, et là on a une grande variété de possibilités, soit l'élaboration de projets culturels, soit une rencontre ponctuelle avec un ou une artiste, la participation à un atelier de pratique artistique ou la participation à un événement culturel.
Dernier élément, ces activités pouvant se dérouler soit dans l'enceinte de l'école, soit dans des lieux culturels externes. Alors, ça, c'est la définition qui était pour nous à la base du travail pour déterminer ce qu'était une activité culturelle. Très rapidement, donc, le plan de la présentation de ce matin, mais c'est classique, alors je gagne du temps. Je rappelle les objectifs de la recherche au nombre de trois. Tout d'abord, dresser un état des lieux des activités culturelles mises en place à l'école et initiées par les enseignants de français ou dans le cadre des cours de français au troisième cycle du primaire et aux deux cycles du secondaire. La plupart des recherches que nous menons essaient de travailler maintenant de plus en plus des collectes de données dans ces deux contextes pour interroger aussi beaucoup la question de la transition entre le primaire et le secondaire, qui nous paraît une dimension tout à fait essentielle à documenter. Deuxième objectif, analyser les impacts des différents types d'activités culturelles sur le rapport à l'écrit et la motivation des élèves. Et troisième objectif, et c'est certainement autour de celui-là surtout que on va consacrer du temps ce matin, identifier les conditions optimales permettant d'accroître l'impact des activités culturelles sur le rapport à l'écrit et la motivation des élèves en lecture en écriture. Alors, en termes de méthodologie, vous allez voir que c'est une recherche pour laquelle on a suivi la logique d'une méthode mixte de collecte et d'analyse de données avec une très grande variété dans les types de données qui ont été recueillies selon les objectifs aussi qui viennent d'être présentés. On a commencé la première année par une enquête en ligne auprès des enseignants, dernier cycle du primaire, l'ensemble du secondaire, près de 300 enseignants ont bien voulu contribuer à nous fournir des informations à travers cette enquête en ligne. On a eu l'occasion d'aller observer directement dans les milieux scolaires et ou dans les milieux culturels 15 activités qui concernaient 22 groupes d'élèves, parce que parfois une même activité est vécue par des groupes d'élèves différents. Par exemple, un auteur qui circule auprès de différents groupes dans une école lors de sa visite. On a eu l'occasion, et ça c'était une dimension à mon sens très originale aussi, et qui se fait trop peu, de donner la parole aux élèves, et donc de créer des entrevues de groupes semi-dirigées avec les élèves pour savoir ce qu'ils retenaient de ces activités. Au total, c'est 124 élèves qui ont participé à ces entrevues de groupes, donc auprès des 22 groupes. Et on a aussi eu encore la collaboration ces élèves aussi, ont été amenés à remplir un petit questionnaire sur leur rapport à l'écrit et leur motivation avant l'activité, après l'activité. Donc autour de 300 élèves, là, avant, après, il y en a un peu moins pour différentes raisons, là, parce que c'est toujours compliqué de ressolliciter les élèves à deux reprises. Hein. Et on a aussi réalisé des entrevues semi-dirigées avec 15 enseignants. L'idée était de contacter les enseignants quelques temps après l'activité. Laisser passer le temps et si l'activité avait eu lieu au mois d'octobre ou bien au mois de février, environ 3 mois ou 4 mois plus tard, on reprenait contact par téléphone avec l'enseignant pour l'interroger, pour voir s'il avait perçu des impacts à moyen terme de l'activité, donc pas seulement immédiatement après que l'activité ait eu lieu. Alors pour ce qui est spécifiquement des observations qui ont eu lieu dans les milieux scolaires, 15 activités culturelles, des activités de types différents, une majorité, 9 activités de rencontres avec des auteurs, 3 sorties au théâtre, 2 sorties à la bibliothèque, 1 sortie au musée, mais vous allez voir dans une grande variété de contextes, 13 écoles, 10 publics, 3 privés, 2 écoles en milieu défavorisé, 1 école anglophone, 1 école alternative, dans la plupart des régions du Québec, là, ce qui nous donnait quand même un portrait de situation bien variés. Et pour ce qui est d'un petit écho de, par exemple, ces fameuses rencontres avec les auteurs, puisqu'elles étaient les plus nombreuses, voilà rapidement une petite idée du type d'artistes qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans les milieux scolaires. Vous remarquerez, il y a plusieurs figures que vous connaissez bien, mais vous remarquerez dans ce tableau multiple à la fois une grande diversité. D'une part, dans les profils même des auteurs, il y a une diversité en termes de notoriété. Il y a des gens bien connus qui sont reconnus dans les milieux, qui ont obtenu plusieurs prix littéraires, Michel Marino, Marianne Dubuc, Stéphane Poulin, etc. Mais aussi une grande diversité, il y en a d'autres beaucoup moins connus, une diversité aussi dans les genres littéraires
sur lesquels travaillent ces auteurs, des BDistes, des auteurs illustrateurs, un rappeur, un écrivain, conteur, etc. Et ces différents artistes sont intervenus dans des dispositifs extrêmement variés au sein des milieux scolaires. Ces dispositifs variés pouvant aller d'une simple rencontre d'une heure avec les élèves à un projet de création de longue haleine étalé sur plusieurs semaines, comme le soutien par exemple l'école montréalaise pour tous. C'était le cas pour une expérience avec Laurent Chabin, où les élèves ont écrit un roman policier avec Laurent Chabin, un roman policier qui a même été publié. C'est une des pratiques qu'applique Laurent Chabin pour valoriser le travail qui est réalisé avec les élèves. Et là, ça s'est étalé sur plusieurs semaines et ça a été réalisé avec plusieurs groupes au sein de l'école. Important aussi de signaler que cette recherche sur les activités culturelles, elle s'est déroulée sur une période de 3 ans, au cours de laquelle on a bien pu se rendre compte combien c'est une réalité fragile que cette réalité des activités culturelles à l'école. Quelques échos de cette fragilité, et ça va vous rappeler des souvenirs qui ne sont pas forcément très bons, hein, on sait que ces activités culturelles, elles ont été fortement influencées, par exemple, par la vague de compression dans le milieu de l'éducation. Voilà un extrait d'un article de presse, hein, octobre 2015, compression, moins de théâtre pour les élèves. Autre événement, un peu plus tard, on sait que ces activités culturelles, elles ont fait l'objet de moyens de pression de la part des syndicats d'enseignants au moment justement de réaction par rapport à cette vague de compression, hein, ce qui interroge aussi sur le statut de ces activités, puisqu'on peut être penser que dans ce contexte-là, on les considère comme activités non essentielles, puisqu'on estime qu'elles peuvent faire l'objet de moyens de pression. Hein, et voilà un autre extrait, là, 29 octobre, hein, les moyens de pression causent d'importantes baisses de la fréquentation scolaire dans les institutions. Un autre, les entreprises culturelles font les frais des moyens de pression des enseignants. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a réalisé notre recherche. Et quelques temps plus tard, en 2017, hein, voyez encore cet article d'Odile Tremblay dans Le Devoir, décembre 2017, où là on évoque encore une autre dimension, à savoir toute la question du débat sur les frais et les frais accessoires. Hein. Au début de la semaine, dans les pages du Devoir, des regroupements d'artistes protestaient contre la menace de 5 commissions scolaires de sabrer les sorties culturelles en 2018 si la gratuité pédagogique n'englobait pas ces activités hors champ. Alors on voit bien, sous différents aspects, combien il se révèle que l'organisation de ces activités dans le milieu scolaire est dépendante de toute une série de variables sur lesquelles il y aura à réfléchir en termes de choix politiques et éducatifs, et je reviendrai là-dessus en finale, si on estime que ces activités sont importantes et qu'elles ont un réel impact sur les élèves. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres en termes de résultats. Ces chiffres sont disponibles dans le rapport complet de la recherche, dans plusieurs publications qui ont déjà eu lieu et d'autres à venir, dans plusieurs présentations qu'on a déjà faites. Je ressors simplement quelques grands éléments pour ce qui était de l'enquête auprès des enseignants. Évidemment, on a près de 300 enseignants qui ont répondu à notre enquête, qui étaient pour la plupart des gens déjà intéressés par cette problématique. Donc, plus de 80% de ceux qui ont répondu à l'enquête ont dit « oui, nous, on organise des activités pour nos élèves ». Ce qui n'est pas représentatif, évidemment, de l'ensemble des enseignants du Québec, mais ce qui témoigne quand même d'un noyau important d'enseignants qui sont convaincus de la plus-value des activités culturelles. Et la plupart de ces enseignants aussi, parce qu'on avait une question sur cet élément dans l'enquête, se disaient globalement très intéressés et satisfaits de la qualité de l'offre culturelle. Il disait, moi j'ai pas un problème à trouver quelque chose à proposer à mes élèves. Il y a une offre qui est riche, qui est diversifiée, qui est intéressante. Alors ça c'est un élément important à souligner. Donc malgré cela, il reste, et on l'a évoqué tout à l'heure dès le début, hein, un nombre important d'élèves qui sont privés de ce type d'expérience durant leur scolarité obligatoire. Il reste aussi que, et l'enquête l'a bien démontré, on avait des résultats très différents selon que c'était des enseignants du dernier cycle du primaire ou des enseignants du secondaire qui ont répondu à notre enquête. Puis, vous êtes sur le terrain, vous connaissez ces réalités-là. Très souvent, entre autres, pour des questions d'ordre organisationnel,
c'est bien plus facile de se dire au primaire, j'ai l'ensemble de ma classe toute la journée, toute la semaine, je peux organiser les choses autrement si je veux lancer ce type de projet, faire une sortie. Au secondaire, je dois le négocier avec, donc ça pose évidemment une série de questions là aussi, en termes d'organisation scolaire, qui sont à prendre en compte sur cette différence entre le primaire et le secondaire. Les principaux freins qui ont été évoqués par les enseignants dans cette enquête, ils sont de deux ordres. Premièrement, ils sont d'ordre budgétaire, ce qui peut surprendre parce qu'on peut se dire, mais pourtant, il existe plusieurs programmes de soutien, y compris du côté des ministères, des municipalités, différents, hein, et d'autre part, des contraintes d'ordre organisationnel. Hein, et on verra que sur les deux plans, les enseignants ont fait toute une série de propositions sur lesquelles on pourra revenir. À propos justement de ces pistes de solutions pour assurer, et vous allez voir que c'est un peu un leitmotiv dans ma présentation, une véritable démocratisation de l'accès à la culture, parce que nos résultats montrent que pour l'instant on est loin de cette véritable démocratisation si on reste dans une réalité où plus de la moitié des élèves n'ont pas l'occasion de vivre durant la totalité de leur parcours scolaire ce type d'activité. Alors, piste de solution pour assurer une véritable démocratisation de l'accès à la culture. Là, nous sommes très ambitieux et on a publié un article dans Le Devoir à ce sujet volontairement quand la recherche venait de se terminer au moment de la campagne électorale pour réclamer qu'il y ait plus d'activités culturelles à l'école, mais surtout pour que ça se passe dans un cadre davantage contraint. Il nous semblerait tout à fait normal, si c'est une priorité en termes national, provincial, d'inscrire les activités culturelles parmi les activités obligatoires dans le curriculum. Et nous allons jusqu'à rêver du jour où non seulement elles seront obligatoires, mais on aura même des exigences, tout comme on l'a pour le nombre d'œuvres à lire chaque année. On pourrait très bien imaginer qu'au moins une fois par cycle, les élèves soient amenés à vivre une activité culturelle, ce qui ferait au total un minimum de 5 activités à 17 ans, si on imaginait qu'on allait vers quelque chose comme cela, ce qui n'est quand même pas une surdose, hein, mais qui... alors, proposition provocante. Deuxième proposition, évidemment, et on l'a vu, étant donné la fragilité de ces réalités, il faudrait des budgets assurés de manière stable pour atteindre cet objectif. Parce que si les budgets sont variables, évidemment, on ne va pas pouvoir assurer ça. Troisième proposition, il faudrait peut-être penser à revoir certains critères des programmes de soutien et sans doute un meilleur arrimage entre différents programmes. Les enseignants, par exemple, plusieurs d'entre eux signalaient leurs difficultés parfois à planifier les choses longtemps à l'avance. On a évoqué dans les autres recherches aussi, la nouvelle réalité du milieu scolaire qui est cette très grande mobilité au niveau du personnel enseignant, hein, eh bien, quand on doit un an à l'avance presque déposer une demande de soutien ou programmer que l'année prochaine, bon, les enseignants disent pourquoi il n'existerait pas aussi une possibilité de programme express où on pourrait en 2 mois déposer une demande, obtenir un soutien, parce que parfois c'est la réalité aussi dans les milieux scolaires, soit parce qu'il y a des opportunités, soit parce que le personnel change tellement qu'on a beaucoup de mal à programmer ces activités longtemps à l'avance. Revoir les stratégies de diffusion de la formation auprès des responsables des milieux scolaires et culturels. On s'est aperçu que, c'est d'ailleurs intéressant, les enseignants soulignaient beaucoup que une des contraintes pour eux, c'était des contraintes d'ordre budgétaire, mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'ils ne connaissent pas la moitié des programmes auxquels ils pourraient faire appel pour soutenir ces activités. Donc il reste un vrai défi là de communication sur ces programmes de soutien. Par rapport à ça, très certainement qu'il y a un enjeu intéressant, et on a eu quelques exemples, c'est le cas entre autres en Estrie, à la commission scolaire de Cherbourg, qui a une personne à la commission scolaire qui a un rôle d'agente culturelle pour les milieux scolaires, qui centralise les demandes, qui connaît les programmes, qui les fait connaître dans les différentes écoles, etc. Je ne sais pas dans quelle mesure ce type de rôle existe de manière généralisée dans les commissions scolaires, mais c'est là sans doute un rôle essentiel. D'autre part, très intéressant, la plupart des gens l'ignorent, mais en principe, chaque commission scolaire doit avoir une politique culturelle et un comité culturel.
Alors, quel travail on fait avec ces personnes-là? Quel est l'état de ces politiques culturelles au niveau des commissions scolaires? Comment est-ce qu'on sensibilise les personnes qui interviennent sur ces comités culturels, y compris les parents, aux enjeux, aux possibilités, etc. Il y a là un travail tout à fait essentiel à réaliser. Ça, c'était en lien avec les résultats de l'enquête, première phase de notre recherche. Rapidement, d'autres résultats en lien avec le résultat des observations et des entrevues de groupe. Là aussi, vous aurez accès ailleurs à toute une série de données très détaillées. Premièrement, et c'est réjouissant, on a bien pu observer à travers différents indices qu'une majorité d'élèves manifeste de l'intérêt pour ces activités. Et non seulement une majorité d'élèves, mais parce que c'est une question qui apparaît souvent, ces activités retiennent l'intérêt autant des garçons que des filles. Parfois on se dit « ah mais ça c'est des affaires de filles ». On a eu de très nombreux témoignages dans les groupes de garçons qui, par exemple, à l'occasion des rencontres avec les auteurs, et c'est toujours très étonnant, évoquaient leur propre pratique d'écriture à la maison. Des enfants de 10-11 ans, des garçons qui expliquent qu'ils sont eux-mêmes commencés à écrire un livre, alors qu'on a toujours ce discours permanent sur le difficile rapport à la lecture, à l'écriture des garçons. Dans plusieurs des recherches que je mène ces derniers temps, j'essaie d'amener des données qui montrent qu'on est amené à revoir cette vision du rapport à la lecture des garçons et des filles et que les pratiques extrascolaires, entre autres, de lecture et d'écriture des garçons sont bien plus nombreuses et variées que ne le laissent penser certains discours un peu généralistes sur le rapport à l'écrit des garçons. Des activités comme les rencontres avec les auteurs en particulier, puisque c'était les plus nombreuses, on a essayé de regarder plus précisément là ce qui se passe, et Mélissa Dumouchel, grâce au soutien du projet, est en cours de réalisation d'une maîtrise recherche spécifiquement sur le dispositif de rencontre avec les auteurs. Qu'est-ce qu'on a observé dans ce cas-là? C'est qu'elles ont un réel impact sur le rapport des élèves à la lecture et l'écriture, quel que soit déjà aussi le type de dispositif. Même une rencontre ponctuelle d'une heure, elle peut avoir une influence sur un élève. Évidemment, les impacts peuvent être différents si l'élève a été engagé lui-même dans une activité de création, de collaboration avec l'auteur, mais rien qu'une rencontre ponctuelle, et plusieurs des élèves en témoignent, ça vient modifier leur représentation de la figure de l'auteur. Les élèves disent, ah, on se rend compte qu'il y a vraiment quelqu'un. On ne savait pas ce que c'était un auteur. Là, on a vu que c'est quelqu'un, et puis c'est quelqu'un qui nous ressemble, et c'est aussi rassurant de savoir que ce quelqu'un, il nous explique que lui, il travaille fort pour... ça ne sort pas comme ça, comme c'est écrit tout de suite quand il écrit, non, il doit aussi réécrire. Il utilise, ça change la représentation des élèves, leur compréhension du processus créatif. Des élèves qui nous disent, ah moi, c'est incroyable parce que j'avais l'impression qu'il y avait que moi qui devait toujours recommencer mon texte, mais non, l'auteur, il a dit aussi que... Et puis des élèves qui font écho du fait qu'ils vont utiliser des trucs que l'auteur a donnés pour les appliquer à leur propre pratique pour les prochains travaux d'écriture à faire à l'école. Un auteur qui explique son travail sur des fiches de préparation, l'idée de la planification, etc. On s'aperçoit que ça parle pour les élèves et ça parle autrement quand ça vient de la bouche d'un auteur que quand ça vient de la bouche de l'enseignant qui est payé pour leur dire ça. On y reviendra tout à l'heure. On a vu aussi que ces activités, elles ont aussi un impact sur l'augmentation dans l'immédiat de l'intérêt pour les œuvres de la personne rencontrée. Les élèves adorent ça. Souvent, les auteurs font tirer des livres à la fin de leur présentation. Et puis, on s'aperçoit que, y compris les élèves témoignent qui sont allés voir à la bibliothèque scolaire ou municipale d'autres œuvres de cet auteur-là. Toutefois, si on voulait s'assurer d'un impact encore plus important et durable de ces activités sur le rapport à l'écrit des élèves, il nous semble qu'il faut réfléchir, de là notre proposition de tout à l'heure, d'institutionnaliser ces rencontres et de les imposer au moins une fois par cycle, ces rencontres ou ces activités culturelles. Il faudrait que ce soit des activités récurrentes. Il y a un enjeu majeur aussi, on y reviendra tout de suite, à ce que ces activités puissent, pour une partie d'entre elles en tout cas, être plus explicitement reliées au développement des apprentissages disciplinaires en français, parce que parfois on a l'impression que, et vous allez voir que c'est le titre de ma dia suivante, les enseignants de français se limitent à être des organisateurs d'activités culturelles. Et on ouvre la porte de la classe et du groupe pour une intervention externe pour un certain temps, on la referme, on a tellement d'autres choses à faire à côté, cette activité, elle reste un peu comme ça suspendue, elle n'est pas reliée, accrochée au reste du développement des apprentissages disciplinaires dans le cadre de la classe.
On voit aussi combien ces activités, et ça c'était très documenté par la recherche sur les activités culturelles et l'art à l'école, combien elles ont un autre impact si les élèves sont en action durant les activités, hein, et en action on peut l'être de différentes manières, et puis aussi si ces activités se passent dans des infrastructures de qualité. Hein, si on reçoit quelqu'un dans une grande salle qu'on n'entend pas ce qu'il dit, etc., selon le contexte, selon... Bon. Alors, donc, pour renforcer le rôle de l'enseignant de français en tant que passeur culturel, vous connaissez bien cette étiquette, étiquette qu'on doit initialement à notre collègue français Jean-Michel Zakharchouk, mais qui a aussi été reprise comme emblème d'un projet dont on parle beaucoup à l'Université de Sherbrooke, initié par mon collègue Martin Lépine, le projet des passeurs culturels, qui vise à faire vivre des expériences dès la formation initiale, et bien pour renforcer le rôle de l'enseignant français en tant que passeur culturel, l'enjeu principal, je viens de l'énoncer, c'est de permettre aux enseignants de dépasser le rôle d'organisateur d'activités assumées par des personnes externes. Pour arriver à cela, il nous semble qu'il y a des actions à mener tant en formation initiale qu'en formation continue. En formation initiale et en formation continue, permettre aux enseignants eux-mêmes de vivre régulièrement des expériences culturelles riches et variées. Il y a des pays dans lesquels les enseignants ont d'office un accès libre aux spectacles, aux musées, etc. Qu'en est-il ici? Est-ce qu'on ne pourrait pas demander qu'il y ait un passeport culturel offert aux enseignants et qui permette aux enseignants de vivre de manière régulière des expériences riches à titre personnel dans le domaine de la culture? Deuxièmement, trouver la manière de offrir davantage d'occasions aux enseignants de rencontrer des intervenants des milieux culturels et d'élaborer avec eux des projets et outils afin d'améliorer l'impact des activités culturelles sur les apprentissages de tous les élèves. Alors on voit le rôle clé de l'enseignant, mais évidemment il y a un troisième partenaire, on a les élèves, on a les enseignants, mais il y a un troisième partenaire dans ces dispositifs-là qui est la personne intervenante du milieu culturel. C'est la seule petite frustration que nous avons eue, nous, on ne peut pas tout faire dans cette recherche-là, surtout étant donné la diversité déjà des données qu'on a collectées, mais on aimerait beaucoup, on y reviendra tout à l'heure, pouvoir aussi prolonger la recherche en travaillant avec les intervenants eux-mêmes des milieux culturels. Et ces personnes-là, ce sont sans doute des personnes pour lesquelles on doit réfléchir à un autre type d'implication aussi dans ces activités. Hein. Premièrement, elles ont des expériences et des points de vue à prendre en compte. Quelqu'un comme Michel Marino, depuis 20 ans, combien d'élèves a-t-elle rencontré dans le milieu scolaire? Quelle image elle a de ce qui se passe dans les classes? Ce serait très intéressant de pouvoir l'entendre. Quelle image elle a de ce type de rencontres, etc. Il y a un très beau texte amusant aussi, un témoignage de François Gravel dans un de ses petits ouvrages là, sur ses souvenirs scolaires où il évoque aussi ses rencontres dans les milieux. Donc peut-être que pour les intervenants du milieu culturel, il faudrait aussi revoir les programmes pour aller au-delà des rencontres ponctuelles et prendre en compte le temps de travail conjoint avec les personnes enseignantes. Parce que nous disent, ben, nous on est payés, mais on est payés pour l'heure qu'on passe en contact avec les élèves dans certains types de programmes. Or, si je veux rencontrer l'enseignant à l'avance, si je veux retravailler avec l'enseignant par la suite, c'est pas prévu, ça, dans le contrat initial pour certains types de programmes. On pourrait imaginer aussi que, pour l'instant, le répertoire, hein, un écrivain dans l'école, etc., n'importe quel écrivain peut s'inscrire dans ce répertoire, mais est-ce qu'on ne devrait pas imaginer qu'il y ait une formation obligatoire pour bénéficier de certains programmes? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi à ce que l'intervenant du milieu culturel soit sensibilisé à un certain nombre de choses? Est-ce qu'il y a une formation, quelle que soit la manière dont soit pensée cette formation? Et puis, pour nous, ce serait évidemment l'idéal, et c'est ce qui commence à se faire dans un certain nombre de situations qui sont davantage soutenues maintenant par certains nouveaux volets, dont celui des résidences d'artistes dans les milieux scolaires, c'est une véritable implication dans la mise en œuvre de dispositifs et la co-création d'outils au service de l'apprentissage des élèves. Il me reste 5 minutes. Oui. Alors, quelques échos encore, parce que pour nous c'est important, la manière dont on a essayé de penser les activités de diffusion et de transfert des connaissances. On est ce matin dans une activité de transfert de connaissances, mais pour nous, et je l'ai déjà eu l'occasion de le dire sur d'autres tribune, c'est très important d'essayer de penser ces activités de transfert dans une dynamique continue au cours de la recherche. Pas attendre de dire on passe 3 ans à faire une recherche et quand on va avoir terminé notre recherche dans 3 ans, on va venir vous en parler. On est vraiment, nous, dans une dynamique où on essaie de manière régulière, à différentes étapes de la recherche, de pouvoir favoriser déjà une interaction avec différents destinataires et être dans cette dynamique de transfert des connaissances. C'est dans cet esprit, par exemple, que
en 2016 au congrès de la QPF avec Marie-Christine Baudry, j'ai animé un atelier sur la rencontre avec un auteur et en collaboration avec Simon Boulris. Quand je dis on devrait travailler davantage avec les intervenants du milieu culturel, Simon est venu avec nous animer cet atelier, faire part de son expérience, etc. On a eu l'occasion, il y a peut-être des gens qui nous écoutent de cette équipe-là ce matin, à leur demande d'aller présenter les premiers résultats de l'enquête auprès des enseignants, auprès de l'équipe culture-éducation en 2018. On a organisé à Sherbrooke en 2017, certains d'entre vous y étaient, une journée qui a rassemblé plus de 150 personnes sur la culture à l'école, pourquoi faire, comment, au cours de laquelle on a présenté une partie de nos résultats. On a invité des auteurs, des intervenants du milieu culturel, des enseignants à venir faire part de leurs expériences. Le même type de journée a été réorganisé plus récemment par Marie-Christine et Myriam à Montréal, à la Grande Bibliothèque en novembre 2018. Je vous ai parlé de l'article dans Le Devoir au moment de la campagne électorale et on prépare un numéro de thématique de la revue Vivre le primaire qui rendra compte aussi des différents volets de la recherche, ça parmi d'autres, et quelques publications scientifiques existantes et à venir. Les suites. Dès à présent, le fait d'avoir initié ce projet nous a amené à être en contact avec toute une série d'organismes, dont pour Montréal, toute l'équipe de la Place des Arts. Et cette équipe, via une demande initiale du ministère de la Culture et des Communications, nous a confié un mandat complémentaire d'une recherche d'évaluation des programmes proposés par la Place des Arts dans le cadre du Lincoln Center Education. Donc c'est une approche LCE qui vise maintenant à essayer peut-être de généraliser au Québec, qui est vécu non seulement à Montréal, mais aussi actuellement dans trois régions, dont en Abitibi, auprès de diffuseurs culturels, qui amènent des projets dans les milieux scolaires qui dépassent justement la simple rencontre ponctuelle ou le simple fait d'assister à une représentation, mais qui implique un projet plus large de collaboration entre les intervenants du milieu culturel et les enseignants. Alors, on est occupé là dans un petit contrat d'essayer de préparer quelque chose qui puisse permettre d'évaluer l'impact de ces programmes-là. Je vous ai dit combien on serait très heureux de pouvoir compléter tous les éléments qu'on a pu recueillir par une collecte de données auprès des intervenants du milieu culturel. Se dessine aussi, comme on l'a fait dans d'autres projets, la pertinence et l'envie de pouvoir aussi faire une recherche similaire au niveau du collégial, puisqu'on a les choses depuis le troisième cycle du primaire jusqu'à la fin du secondaire, on aimerait aller au collégial, voire à l'université. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus aussi. Il y a maintenant de nouveaux dispositifs qui sont soutenus dans le cadre de l'évolution des programmes, dont en particulier le fait de valoriser des résidences d'artistes pour des périodes plus longues dans les milieux scolaires. Et donc là, ça mériterait en tant que tel une recherche documentaire pour voir l'impact de ce type d'activité. Pour conclure, je vous ai dit qu'on avait trouvé important de laisser la parole à des élèves. Alors voilà un petit indice là de l'impact. Regardez Alexis, 12 ans. C'était une bonne idée d'avoir un vrai écrivain qui vient à l'école pour nous enseigner l'écriture. Hein? Ah, ça, c'est interpellant aussi pour l'enseignant. Tiens, quand on ouvre sa porte et qu'on laisse venir quelqu'un d'autre. Hein? Ah, tiens. Bon, alors on voit bien là tout l'enjeu de réfléchir sur ces éléments-là. Et puis, sur l'autre dimension sur laquelle j'ai insisté, cette référence d'Alain Kerlan, notre collègue français, hein, il existe une autre dimension que nous découvrons aujourd'hui comme une nouvelle exigence démocratique, une dimension et une ambition qu'on peut qualifier de fondatrice ou de refondatrice, permettre à tous et à chacun d'accéder à une véritable expérience esthétique. Une nouvelle et essentielle étape de la démocratisation dans le domaine de l'art et de la culture passe par l'accès de tous à l'expérience. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, nous allons à la période de questions immédiatement. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Peut-être oui, et j'interroge là, du côté de la web diffusion, il n'y en a pas en ce moment. Alors, on vous encourage à aller dans le macro et dans le micro. Alors, je vais aller voir madame. Bonjour, Raymonde Villemur du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Je pense que vous avez fait une excellente démonstration de l'importance des agents culturels à l'école. Cependant, quand je regarde le titre de votre présentation,
Je me demande, à part la diapositive de la page, d'une des pages, je ne vois pas très bien quels sont les effets sur les élèves. La lecture et l'écriture, j'ai vu seulement la page 13, au troisième point, que ça avait augmenté la motivation, ça avait modifié les représentations, mais je trouve que vous avez très bien noté l'importance des agents culturels. Cependant, je reste un petit peu sur ma faim sur les répercussions chez l'élève dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Est-ce que vous pouvez m'éclairer davantage? Oui, certainement. donc, effectivement, on a déjà écrit deux articles complets sur cet élément-là spécifique, pour lequel on a regardé en particulier, pour l'instant, le volet des rencontres avec les auteurs. Et comme je l'évoquais, dans ce cas-là, on a deux types d'informations qu'on peut convoquer. Il y a un type d'information qu'on a déjà à notre disposition, ce sont tous les entretiens avec les élèves qu'on a analysés et les éléments que j'ai soulignés, à savoir le changement dans la représentation de la figure de l'auteur, le changement dans la représentation du processus créatif, la relation avec leur propre pratique d'écriture, l'intérêt qui va être développé pour en savoir davantage à propos de l'œuvre de telle et telle, etc. Ce sont des éléments qui sont, que j'ai soulignés aujourd'hui parce qu'ils sont récurrents dans un grand nombre de propos d'élèves dans ces entretiens et dans les articles qu'on a publiés sur le sujet. On illustre ça à chaque fois par des extraits de verbatim de propos d'élèves et en allant chercher, quand c'est possible, à la fois des propos de garçons et de filles. Par ailleurs, et là c'est encore un volet de la recherche qui est en cours, on est encore à dépouiller d'un point de vue et analyser d'un point de vue statistique les résultats des questionnaires que les élèves ont remplis sur leur rapport à la lecture et l'écriture avant et après la recherche. Donc on aura certainement encore quelques données complémentaires à travers l'analyse de ces données-là. Bonjour, Sarah Abdelgawad de la Direction des relations avec les Premières Nations et les Inuits et de la Nordicité. Je pense tout haut, là, mais je sais que, par exemple, au niveau des musées, il y a beaucoup d'organismes qui sont des organismes ministériels et qu'il serait facile, avec un peu de volonté politique, d'aller en amont et d'avoir une plus grande fluidité des transferts entre les deux en finançant directement le musée par le ministère de l'Éducation et en ouvrant à toutes les écoles. Donc, on limite les problématiques de financement des milieux défavorisés. Est-ce que de tels organismes, à votre connaissance, existent ou auraient lieu d'être créés pour favoriser l'apprentissage du français de l'écriture, par exemple, un organisme gouvernemental au niveau des auteurs? Ou... Il existe déjà. Les programmes actuels au niveau du ministère sont créés en association avec l'UNEC, l'Union nationale des écrivains du Québec. Et donc qui se charge aussi d'une partie relative au répertoire, etc. Donc il y a déjà des collaborations qui existent à ce niveau-là, mais elles seraient certainement à poursuivre et à penser encore peut-être autrement. Par ailleurs, je profite du fait que vous avez signalé que vous travaillez avec les publics que vous avez cités pour signaler aussi qu'une des questions qu'on s'est posées par ailleurs, c'est les dispositifs qu'on a pu documenter pour l'instant sont des dispositifs aussi où il y avait une rencontre en personne avec, par exemple, un auteur ou une présence d'un artiste dans le milieu scolaire. Mais si on prend en compte la réalité des régions éloignées, etc., il y a aussi peut-être d'autres formes de médiums à exploiter et donc toute la réflexion de savoir si est-ce que ça peut quand même déjà aussi avoir un impact d'avoir une rencontre à distance avec un auteur. Le Centre de la francophonie des Amériques propose ce type de rencontre. Il y a des étudiants que j'ai rencontrés en Argentine qui ont eu un échange avec un auteur québécois qui était installé dans son bureau ici au Québec et ils travaillent sur cet auteur québécois là-bas à l'université en Argentine et ils ont eu pendant une heure et demie un échange avec cet auteur à travers le site web du Centre de la francophonie des Amériques. Donc il y a certainement à réfléchir aussi sur une grande variété de médiums à utiliser avec Caroline qui est ici et l'Institut de Chacapèche. J'ai eu le grand bonheur depuis 2 ans d'initier un autre projet
pour essayer de faire entrer dans les classes la littérature des premiers peuples. Dans ce cadre-là, Caroline est allée chercher un petit soutien pour ce qui est un projet complémentaire pour, et qui est occupé de se réaliser, qui vont être des capsules vidéo de rencontres avec des auteurs des premiers peuples, et ces capsules seront accessibles pour pouvoir les travailler dans les classes avec des élèves. Et on disait, ben, on peut pas à chaque fois, tout le monde ne peut pas avoir la chance d'avoir Joséphine Bacon dans sa classe, ou Naomi Fontaine, ou Natacha Canapé-Fontaine, mais si au moins on réalisait quelques capsules vidéo où les auteurs parleraient de leur parcours, de comment ils en sont venus à écrire, de comment ils conçoivent le fait d'écrire en français, etc., et bien ce serait des outils intéressants pour pouvoir permettre aux enseignants aussi de travailler ces dimensions-là avec leurs élèves. Dans les rencontres avec un auteur, par exemple, dans une oui. classe, ce que vous avez rencontré comme type d'activité, est-ce que c'était à une seule occasion où ce même auteur-là pouvait... Comme je l'ai dit, on a vu des dispositifs très variables selon les lieux. Donc, dans certains cas, ça en restait à le schéma classique, un auteur qui passe sa matinée ou sa journée dans l'école et qui rencontre 6, 7, parfois 8 groupes sur sa journée et qui passe d'un groupe à l'autre. Et puis, on a eu d'autres dispositifs comme celui que j'évoquais tout à l'heure de Laurent Chabin, où l'auteur a résidé pendant 8 à 9 semaines dans l'école et où il y a eu un travail où les élèves, de manière collective, proposaient à chaque fois une nouvelle étape dans l'histoire, une rédaction d'un roman complet avec plusieurs groupes de l'école. Donc, ma question, en fait, c'est que d'une formule à l'autre, vous aviez quand même pu constater un bon impact. Ce qu'on voit, c'est que... Même la formule minimale dans les discours des élèves a un impact. Mais en même temps, on voit que très certainement, et différents travaux qui ont été menés sur les présences d'artistes et dans les milieux scolaires démontrent que cet impact, il pourrait potentiellement être plus grand s'il y avait un certain nombre d'autres conditions que j'ai rappelées qui sont prises en compte. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas de questions... Ah, et on a une dernière question dans la salle. Je vais m'y rendre. Merci. Moi, mon nom, c'est Alain Gendron. Je suis enseignant de français 4e, 5e secondaire pour le Conseil des Atikamekw de Manawan. Je trouve que ça manque beaucoup. Les contacts avec les intervenants culturels. C'est sûr qu'on souffre un peu de la distance, mais moi, je voulais, en fait, c'est un commentaire, je voulais saluer votre souhait que vous avez émis tantôt à l'effet que les programmes d'enseignement devraient obliger un certain nombre d'activités impliquant des auteurs ou le théâtre, par exemple. Moi, quand j'étais au secondaire, il y a de cela très longtemps, on allait au théâtre une fois par année. Puis depuis que j'enseigne, ça fait 15 ans que j'enseigne, je ne vois plus ça dans les écoles. Je trouve ça déplorable. Puis si vous militez en ce sens, je vous appuie. Merci. Et ce qui est étonnant toujours, c'est que pourtant, j'imagine que vos élèves, par exemple, il peut leur arriver de se déplacer pour un tournoi sportif. Alors, c'est très intéressant de comparer les choses. Si on regarde la réalité dans nos écoles, est-ce que le sport est davantage valorisé et est-ce qu'on trouve toujours à s'organiser pour une participation à un tournoi sportif plutôt que pour une participation à un événement culturel? Je provoque à nouveau en donnant cet exemple-là, mais ça me frappe beaucoup souvent quand on a les échos directs des personnes du terrain, que les gens disent « ça a l'air toujours compliqué de s'organiser quand il s'agit de faire quelque chose d'ordre culturel, mais quand il s'agit de faire quelque chose de sportif, ça semble plus simple. » Dans le même ordre d'idées, on a une réflexion aussi qu'on essaie de mener progressivement sur quelle est la qualité de nos écoles en termes d'environnement culturel. Quelle est la place de la valorisation de la culture dans nos établissements scolaires en termes général. Moi qui circule beaucoup, j'ai parfois donné cet exemple-là, moi qui circule beaucoup dans les écoles pour aller observer aussi des stagiaires, j'entends encore toujours à l'interphone, là, chaque matin, parfois, surtout le lundi matin, les dernières nouvelles, justement, des équipes sportives de l'école, des exploits individuels de tel élève, etc. Mais on ne me dit jamais que tel élève a lu un livre de plus cette fois-ci, ou qu'il est allé à un spectacle, ou que l'équipe d'improvisation a. Qu'est-ce que j'ai comme trace de la culture sur
dans les couloirs de l'école, qu'est-ce que j'ai comme valorisation des espaces dédiés à la culture, etc., par rapport à d'autres espaces, quand on sait qu'on élimine les bibliothèques parce qu'on manque d'espace pour des classes, etc. Alors, il y a une vraie réflexion générale à mener à ce sujet-là. On prend, c'est la dernière, on arrive. Je m'en vais ouvrir. Oui, bonjour. Il faut que je me présente. Oui, Nathalie Couzon, ex-enseignante de français, ex-collaboratrice aussi dans l'équipe de français au ministère et aujourd'hui chargée de veille numérique au CETREC au RIR. Et j'ai aussi travaillé au programme La culture à l'école. Je m'occupais des activités en lien avec le français, justement. Puis je trouve que il faut aussi faire attention, puis je suis à 100% derrière tout ce que vous dites aussi, et c'est ne pas créer de fractures aussi. On parle beaucoup de fractures numériques, mais de fractures culturelles, je ne sais pas si on en parle. Et je trouve que dans une société aussi où on est quand même en contexte minoritaire, c'est important quand on parle de passeurs culturels pour ce qu'il s'agit des profs de français, d'avoir cette préoccupation-là comme une préoccupation de société aussi. Parce que si on veut que nos élèves soient des citoyens qui soient des consommateurs de culture, et de culture notamment francophone, ben il faut instituer cette culture-là dans nos écoles. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. On a des nouvelles dans les écoles, mais peu de valorisation. Puis je trouve ça très dommage. Alors moi aussi, je suis pour toutes les recommandations que vous avez suggérées. Merci Nathalie, je me permets un petit commentaire complémentaire. Tu soulignes l'importance de cette dimension culturelle, du fait francophone, etc. Mais il y a aussi la question de se dire, mais c'est quelle culture qu'on valorise à travers toutes ces activités-là? Tout à l'heure, et pour moi, ça devient une dimension tout à fait essentielle, on a évoqué la culture des premiers peuples et les productions culturelles des premiers peuples. Quelle est la place de ces productions actuellement dans ce qui circule dans les milieux scolaires? Quelle est la place de ces productions-là dans la programmation annuelle? On va revenir sur des questions d'actualité. J'ai eu le plaisir personnel et l'intérêt de voir cela il y a 2 jours à Sherbrooke. Mais derrière tout ça, j'avais vu comme vous, sans doute, le très beau reportage qui est passé sur Arte, là, le documentaire qui vient d'être fait autour de ça, dans lequel on entend les voix des différents points de vue autour de ça, avec un vrai questionnement sur dire, dans la réalité montréalaise, c'est quoi la représentativité des différentes diversités culturelles dans une programmation d'un théâtre comme le TNM? Et donc, on aurait à réfléchir aussi en disant, regardez, revenez sur le portrait des différents auteurs que je vous ai montré tout à l'heure qui circulent dans le milieu scolaire. Qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique de l'ensemble de ces auteurs? En quoi sont-ils représentatifs de la diversité, etc.? Il y aurait une vraie réflexion à avoir sur cette dimension-là aussi. Je vais laisser donc le mot de la fin. Je vous remercie, monsieur de Boutard. Avec plaisir. Donc, à madame Bérez, du ministère de l'Enseignement supérieur. Oui, c'est moi qui ai l'honneur de faire le mot de la fin. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier le FRQSC, tout particulièrement Madame Geneviève Godbout et Madame Gabriella Birsan à Montréal pour l'organisation et l'animation de cette activité. Je veux également remercier les chercheurs Virginie Martel, Isabelle Montessino-Gelais et Olivier Desiter pour leur grande générosité à partager avec nous les résultats de leurs travaux de recherche ce matin. Merci enfin aux personnes ici présentes et à celles en webdiffusion. Et vous êtes plus de 400 personnes qui ont manifesté un intérêt pour la lecture et la culture ce matin. C'est impressionnant. Et comme l'a si bien dit un chercheur ici présent, la lecture constitue de nos jours un élément fondamental du développement de chaque personne et une condition de son plein épanouissement sur les plans personnels, professionnels et sociaux. C'est la conviction que nous partageons tous ici présents. Personnellement, ce que j'ai retenu ce matin au cours de l'activité de transfert, c'est le très grand potentiel de la recherche-action pour soutenir les enseignants dans leur changement de pratique et le rôle important de la direction d'école. C'est aussi l'intérêt démontré par les élèves, filles et garçons,
pour les activités culturelles qui leur sont proposées, l'offre intéressante et diversifiée des activités qui sont offertes, mais les défis d'ordre budgétaire et organisationnel pour les organiser. Et enfin, c'est la faisabilité et la pertinence du recours à l'apprentissage par la lecture dans une perspective dite de littératie médiatique multimodale en classe de français. Alors, outre cette activité de transfert, le ministère, je veux vous informer que le ministère produit des bulletins d'information et des cahiers vulgarisés. Si vous voulez être tenu informé de l'apparition de ces cahiers, de ces documents, je vous invite à envoyer un courriel à info-transfert@education.gouv.qc.ca. Alors, je vous remercie encore de votre participation et je vous invite à rester à l'affût aussi des prochaines activités. Bon dîner. Merci.